au Bagne-Romale. Et enfin, ces travaux ont été dirigés par Thierry Geoffroy. Il était très cool. Ah, et en visioconférence, donc nous avons Thierry Paco, donc professeur émérite à l'école d'urbanisme de Paris. Donc Emmanuel, on vous écoute. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, merci aux membres du jury d'avoir accepté de siéger aujourd'hui. Merci aux rapporteurs pour leurs travaux sur le rapport. Et merci à toutes et à tous d'être ici. Je suis ravi de vous voir, d'avoir vos têtes parfois pas vues depuis très longtemps. Donc merci à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse qui s'intitule « Construire la ville en terre » de Pizet, matériaux essentiels de l'extension urbaine de Lyon entre le 15e et le 19e siècle. Donc, c'est un travail de thèse qui a été préparé depuis décembre 2016 au sein du laboratoire Crater à l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive au sein de l'ENSA de Grenoble, qui est elle-même rattachée à l'université Grenoble-Alpes, qui a été financée pendant les trois premières années par le laboratoire d'excellence architecture, environnement et culture constructive, et qui a été dirigé d'abord en co-direction de la première année par Thierry Geoffroy et par Hubert Guillot, puis après le départ à la retraite d'Hubert, qui a été dirigé par Thierry Geoffroy. Alors, cette présentation se déroulera en cinq étapes. Tout d'abord, je vais vous expliciter des constats initiaux qui ont amené à la définition du sujet de la thèse. Ensuite, je vais vous présenter la méthodologie qui a été utilisée pour cette recherche. En troisième point, je vous présenterai un certain nombre de résultats généraux qui ont amené ensuite, grâce à une contextualisation de ces résultats, à dresser un premier panorama inédit de la présence du pisé de terre dans le paysage historique lyonnais. Enfin, je terminerai par des conclusions et des perspectives de la recherche. Alors, pour commencer, il me paraît important de rappeler ce qu'est le pisé de terre. Le terme pisé vient du latin pisare, qui désigne une action de compacter. Donc, le pisé de terre, c'est l'action de compactage de la terre dans un moule qui est constitué de planches, traditionnellement en bois, qu'on appelle des banches, maintenues par des clés. Ce compactage se fait à l'aide d'une dame, un pisoir, et traditionnellement, dans la région, pour éviter le contact avec le sol humide, le pisé est réalisé sur un solin maçonné. Alors, le pisé de terre n'est pas la seule technique de construction en terre que l'on rencontre en France. Il y a également la bauge, le torchis et la brique de terre crue. Mais le pisé est la technique la plus courante que l'on observe dans le quartier sud-est de la France. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on rencontre du pisé essentiellement dans les secteurs de plaine et de vallée, que ce soit ici la vallée de la Saône, la vallée du Rhône, toutes les plaines à l'est du fossé rhodanien, ainsi que les plaines et les vallées de l'Auvergne. Alors les études qui ont été faites, les inventaires depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années sur le pisé, concernaient jusqu'à présent essentiellement le bâti rural, et par contre on avait très peu de données sur la présence de pisé en ville. À Lyon, beaucoup d'auteurs, d'historiens, signalent la présence et un usage très important du pisé de terre, notamment dans l'urbanisation de la première moitié du 19e siècle, dans les nouveaux quartiers bas de la ville, et surtout sur la rive gauche du Rhône, le quartier des Brotteaux, ainsi que dans le secteur de Vaise, donc qui sont des secteurs de plaine, proches des cours d'eau. Et ces quartiers ont été ravagés dans les années 1840 et 1856 par des inondations considérables qui ont provoqué l'effondrement d'à peu près 2000 bâtiments à chaque fois en quelques heures, puisque ce sont des inondations qui ont été provoquées par des ruptures de digues. Ce qui a été un traumatisme très fort au sein de la population et qui a amené à la mise en place de réglementations, dont celle de 1856 est la plus connue. Et ces réglementations sont souvent perçue comme une interdiction stricte. Et de ce fait,
La plupart des historiens et dans la plupart des ouvrages, on trouve la mention que le pisé était très fréquent jusque dans les années 1850, avant de disparaître complètement de Dijon. En fait, une observation attentive du bâti sur le terrain laisse voir une autre réalité. Le bâti lyonnais est traditionnellement enduit, si bien qu'on ne voit pas les matériaux de construction. Mais quand on a une observation attentive, on peut se rendre compte, au droit de certaines lacunes, que le pisé est bien présent dans certains bâtiments ou dans certains quartiers. La question donc était de savoir si cette présence est un épiphénomène, finalement on tombe sur l'exemple particulier, ou si au contraire elle reflèterait une présence beaucoup plus massive que ce qui était indiqué dans l'historiographie. C'est à partir de ce constat que j'ai fait une première recherche dans le cadre du mémoire du DSA Architecture de Terre, en 2015-2016, qui a porté sur la réalisation d'un premier inventaire, à la fois basé sur des observations personnelles sur le terrain, également la synthèse de données préexistantes, et puis l'initiation et l'animation d'un inventaire participatif appuyé par le Musée des Confluences et d'autres partenaires locaux. Donc c'est un inventaire qui a été ensuite en service entre 2016 et 2018 et qui a permis à des habitants, à des personnes qui ont du coup un vécu de l'intérieur de ces bâtiments, de pouvoir signaler aussi la présence du pisé et de renseigner la base documentaire avec aussi des photos de l'intérieur. Alors à l'issue de cette première recherche, il s'est avéré, donc on a vu, j'ai pas décrit, mais donc il y a... Dans le cadre de cette première recherche, j'ai fait une première cartographie et qui a montré en fait que non, on n'était pas face à un épiphénomène, mais que le pisé était effectivement très présent sur la commune de Lyon et dans les communes périphériques, ce qui posait la question de savoir si finalement il n'y aurait pas une contradiction forte entre l'historiographie et puis ce qu'on observe dans le bâti sur le terrain. À l'issue de ce premier constat et devant la richesse de ces premières recherches, j'ai envisagé ensuite, avec le soutien de Crater et d'AECC, de poursuivre cette recherche sous la forme de cette thèse en architecture, avec une question principale de recherche qui est en quoi la mise en évidence de la présence du pisé de terre dans le bâti ancien de Lyon serait porteuse d'un nouveau regard sur l'histoire urbaine et constructive de l'actuelle ville de Lyon, avec des questions secondaires très pragmatiques. Dans quel secteur, dans quels édifices rencontre-t-on du pisé? La présence de ce matériau est-elle associée à des contextes urbains, à des types de construction ou à des époques spécifiques? L'hypothèse sous-jacente que j'ai faite à l'époque, c'était que la forte présence du pisé de terre dans l'agglomération et la diversité des formes bâties et des époques de construction constatées sont représentatives d'une culture constructive séculaire. Leur mise en lumière à travers l'étude du bâti subsistant apporte un nouvel éclairage singulier sur l'histoire urbaine et constructive de l'actuelle ville de Lyon. Elle en fait un témoignage remarquable d'une utilisation de la terre massive porteuse en milieu urbain. Merci Thierry. Merci. Alors, la méthode qui a été utilisée pour cette recherche, vous le comprenez, donc, a été de continuer à dérouler ce fil initié lors du mémoire de DSA, c'est-à-dire de partir du bâti existant comme matériau principal de la recherche, donc de mettre tout ce corpus qui avait déjà été réuni, de le compléter à partir de certaines données, notamment avec un service de la ville de Lyon qui s'occupe des effondrements et qui a une lecture de l'intérieur très documentée de la nature des constructions, et de synthétiser toutes ces données dans un seul tableau informatique, avec des informations très larges, telles que la localisation du bâti, sa morphologie, des informations constructives, des informations sur son histoire, des données photographiques, et puis, quand elles sont disponibles, des données sur l'état de conservation et de protection patrimoniale. Alors, au total, plus de 700 édifices ont ainsi été documentés et utilisés, versés dans cette base de données.
dans un tableau qui permettait de comparer du coup tous ces éléments, donc pour permettre à comprendre, en fait, chaque ligne représente ici une construction, et avec différentes colonnes qui sont différents types d'informations. L'avantage, alors évidemment, c'est un outil qui est très lourd à manier, mais l'avantage de cela, c'est qu'en fait, ce type de tableau peut être versé dans des logiciels de base de données, et notamment, donc, il a été versé tout d'abord dans un logiciel qui s'appelle FileMaker Pro, qui a permis de faire des fiches d'inventaire croisant des textes avec des images, des photographies, et qui permet aussi un classement de ces données suivant différentes entrées thématiques. Soit on regroupe les fiches par localisation, soit par typologie, soit par datation, etc. etc. Donc, ces fiches ont fait l'objet de deux tomes de corpus. Il y a un premier tome qui concerne la ville de Lyon, et puis un deuxième tome qui concerne les communes périphériques, puisque je disais, il y a à peu près 700 édifices, dont la moitié se trouve à Lyon. Le deuxième avantage de cette base de données, c'est qu'il a pu être ensuite intégré dans un système d'information géographique, donc en l'occurrence le logiciel QGIS, de manière à avoir une vision d'ensemble du corpus et à faire une analyse quantitative à chaque fois des approches thématiques possibles. Donc ici, par exemple, trois types d'approches. Une première approche qui est le croisement de la localisation du corpus avec la densité du bâti. Une deuxième approche, j'en reviendrai plus en détail dessus juste après, c'est le croisement avec le relief et l'hydrographie. Et ici, une approche croisée avec la géologie. Alors, à partir de ces premières lectures quantitatives, ont permis de dégager des premiers enseignements sur la répartition de ce corpus. Le croisement avec, avec le relief et l'hydrographie montre que 90% du corpus se situe en dehors des zones inondables. Finalement, on n'a que très peu de points. Les zones inondables sont représentées ici à Churet en bleu. C'est de l'Imageur de la Saône et du Rhône, qui correspond à l'emprise des inondations de 1840 et 1856. Et on voit que finalement, très peu de points sont situés dans ces secteurs. Les autres points étant situés sur des points un peu plus hauts, voire franchement en hauteur sur les collines lyonnaises. Ce premier constat pose la question de savoir si le bâti dans des secteurs inondables n'a peut-être jamais existé en Pisé, parce qu'il y avait une connaissance du risque d'inondation, ou si au contraire, il a existé et par la suite, il a été détruit soit par le renouvellement urbain, soit par les inondations. Une deuxième lecture cartographique avec la géologie lyonnaise. Alors, la géologie de Lyon est assez complexe, du fait de ses reliefs. La ville est très marquée par les dépôts du Quaternaire qui sont liés à l'activité glaciaire, avec des couches très épaisses de moraines glaciaires, donc qui sont ce mélange de cailloux, de sable, de cint et d'argile, qui ont été brassées dans les parties basses ensuite par des fleuves. Donc on a des terres alluvionnaires qui reprennent plus ou moins ces compositions moréniques. Et puis, en partie haut, sur les reliefs, on a aussi des terres pluviosiques qui correspondent à ces lentilles jaunes, qui sont en fait des dépôts éoliens provenant des moraines glaciaires. Et en fait, on constate que la répartition du corpus ne correspond pas à un type de terre en particulier. Au contraire, on retrouve autant du bâti en terre dans des secteurs avec des terres alluvionnaires que dans des secteurs avec des terres plus moréniques, que dans des secteurs aussi avec, là on voit, alors, c'est plus difficile à voir, mais ici, là, dans le secteur de la Croix-Rousse, ou ici, sur les hauteurs de Fourvière. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu ces types de terres dans l'observation du bâti. Ce qui tend à montrer que, finalement, très probablement, les constructeurs locaux prenaient la terre qu'ils avaient sur place et adaptaient ensuite la technique de construction en fonction des caractéristiques de la terre. C'est évidemment difficile à montrer parce que le bâti qui a été renseigné est un bâti essentiellement privé, pour lequel les archives sont a priori assez difficiles à trouver, notamment les possibles archives de la construction comme la provenance des matériaux. D'un point de vue typologique, on observe une très grande variété de bâtiments.
avec quatre familles principales, le bâti d'habitation, qui correspond ici à ces trois vignettes, des murs de clôture, qui sont très nombreux, presque plus d'un quart du corpus, du bâti d'architecture civile, plus rare mais présent, comme ici une église ou quelques bâtiments hospitaliers de cliniques du 19e siècle, ainsi que des constructions plus utilitaires comme des hangars, des remises, des bâtiments annexes. Juste un mot sur le bâti d'habitation, qui est vraiment le plus nombreux, ça correspond à plus de la moitié du corpus ici. Donc, en grande majorité, ce sont des bâtiments qui présentent un à deux étages, mais on a aussi 76 bâtiments, donc 10% au total du corpus, qui présentent de 3 à 5, voire 6 étages, ce qui présente des hauteurs tout à fait exceptionnelles, notamment au regard des descriptions que peut faire Cointreau sur l'utilisation vernaculaire du pisé au XVIIIe siècle. Enfin, dernier enseignement, ça concerne la datation du bâti. On observe en fait une utilisation continue du pisé de terre à Lyon entre la fin du Moyen-Âge et la fin du 19e siècle. Donc quelque chose sur un temps vraiment très long. Une des surprises notamment, ça a été de constater que 31% du corpus est daté du dernier tiers du 19e siècle, soit après la fameuse réglementation mise en place par le préfet Zaïs en 1856. Ce qui pose la question de savoir si soit cette réglementation a été respectée ou soit elle aurait été ensuite remplacée par une réglementation plus permissive. Alors, à partir de ces premiers résultats, j'ai souhaité faire des approfondissements sur trois points particuliers. Le premier, c'était de mieux comprendre comment ce corpus a été construit en fonction de quel contexte urbain. Pour ça, par époque de datation, le corpus a été comparé et mis en lien avec, croisé, pardon, avec les différents contextes urbains. Donc, j'ai fait une série de cartes de restitution du contexte urbain lyonnais depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e siècle, montrant les zones d'extension urbaine successives pour voir comment ce corpus se place et savoir s'il est plutôt construit dans le centre-ville, dans des secteurs en cours d'urbanisation. Voilà. La deuxième chose, ça a été, puisqu'il y a une typologie de bâtiments riches, on l'a vu, avec des immeubles très variés, et que ces bâtiments d'habitation représentent une part très importante du corpus, ça a été de mieux comprendre l'évolution de l'utilisation du pisé dans ces bâtiments, en faisant une analyse comparée des façades sur rue, et avec des éléments de datation, et en faisant des approfondissements sur un certain nombre d'ensembles ou de lotissements singuliers. Enfin, pour observer l'incidence de la réglementation sur la production bâtie, qui était donc aussi un sujet majeur, notamment au regard de cette fameuse réglementation de 1856, j'ai effectué un recensement et une analyse graphique des textes réglementaires du 19e siècle, et une comparaison de ces textes avec le corpus bâti, et voir si effectivement on avait une correspondance ou au contraire si on avait une discordance. Les résultats de ces approfondissements ont été ensuite mis en perspective d'un point de vue chronologique et je vais vous en présenter maintenant les éléments principaux. Concernant l'époque médiévale, vous avez vu tout à l'heure que sur la partie de datation, je n'ai pas parlé du Moyen-Âge. En fait, cette thèse n'apporte pas de nouveaux éléments d'un point de vue bâti sur le Moyen-Âge parce que la ville médiévale de Lyon, en fait, est encore très mal connue. On ne connaît que ces monuments qui ont subsisté, mais par contre, le bâti d'habitation a complètement disparu. La ville a été entièrement reconstruite à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Et si bien que les informations que l'on dispose sur la présence du pisé sont très éparses, mais on sait que le pisé était utilisé déjà au XIVe siècle au moins, puisqu'il y a des vestiges d'une maison assez bien conservée qui ont été trouvés dans des fouilles place des Terreaux à Lyon dans les années 90.
et qui montrent et qui font écho d'ailleurs avec d'autres éléments datés de l'époque médiévale dans la région, que ce soit proche de Clermont-Ferrand ou à partir du 12e-13e siècle. Ce qui est nouveau et ce qui ne figurait pas dans l'historiographie, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de nouvelles données qui sont disponibles aussi sur le sud de la France et l'usage du pisé dans le milieu méditerranéen. Et notamment, il y a une publication qui est sortie en 2021 de synthèse sur cette présence, donc qui montre en parallèle à la même époque une utilisation très fréquente du pisé de terre et de la bauge, mais notamment du pisé, dans des sites entre le 12e et le 14e siècle, avec une présence notamment en ville, et la présence la plus spectaculaire étant dans les lotissements Saint-Mathieu, Saint-Jacques et de la Réale, à Perpignan, qui sont construits au 13e, 14e siècle. Donc ici, vous avez une vue hypothétique, une restitution d'un certain nombre de maisons. Ce sont des bâtiments qui existent encore, qui ont été très modifiés, surélevés, les façades ont été reconstruites, et le pisé, par contre, demeure très présent dans les murs intérieurs. Et finalement, on arrive à la conclusion, quand on superpose cette aire de répartition du pisé à l'époque médiévale, que ce soit dans le sud ou dans la région lyonnaise, couplée avec les aires de répartition maximale de la présence de bâtis vernaculaires possibles aussi dans des époques plus tardives, on en arrive à la conclusion que le pisé aurait pu être importé depuis la péninsule ibérique au Moyen-Âge, où il était alors très utilisé, dans tout l'arc méditerranéen dans le sud de la France et le long de la vallée du Rhône pour arriver jusqu'en région lyonnaise. Cette diffusion de la technique peut amener à se questionner sur aussi une diffusion possible des modèles et donc se questionner sur est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi en région lyonnaise de grands lotissements urbains construits en pisé de terre comme on a dans le sud et pour lesquels on n'aurait pas d'informations pour l'instant. Mais peut-être même qu'ils existent encore puisque finalement il y a 20 ans on ne savait pas qu'ils existaient aussi dans le sud, 25 ans. Alors pour l'époque moderne, le corpus apporte beaucoup plus d'informations. Tout d'abord, le bâti que nous avons identifié se situe à chaque fois dans des secteurs qui sont assez périphériques et qui correspondent à des faubourgs de l'époque. Donc ici, vous avez une carte de Lyon au XVIIe siècle avec ses fortifications. Et ici, vous avez le faubourg de la Croix-Rousse, ici le faubourg de la Guillotière, là le bourg de Saint-Just et ici le faubourg de Vèze. Avec à chaque fois, essentiellement et en grande majorité, des bâtiments assez étroits qui font entre 6 et 8 mètres de large, 1 à 2 étages, qui ont été souvent fortement modifiés avec des surélévations, mais qui existent toujours. Et donc, on peut dire encore de manière ponctuelle la présence de pisé dans ces anciens faubourgs. Et puis, également, une présence de pisé de manière plus extérieure. Ici, ça correspond au point 2 sur la carte. Et puis, ça se retrouve aussi plus largement autour de Lyon, donc dans des demeures de plaisance de riches lyonnais, des châteaux, des maisons des champs, un habitat très riche, souvent assez orné, et où le pisé est très fréquent. À la fin du XVIIIe siècle, on observe, et au début du XIXe, on observe une évolution assez forte avec l'apparition de pisé dans des grandes opérations immobilières. Alors, je n'en ai pas repéré beaucoup, mais suffisamment pour que cela interroge, notamment au regard du développement de très grandes opérations qu'on verra après au XIXe siècle. Et l'opération la plus singulière, sans doute, est celle que nous avons identifiée à l'occasion d'une étude avec Magali Delaven, qui est historienne au service régional de l'inventaire et du patrimoine. Donc c'est une étude que nous avons menée pendant la thèse sur un îlot situé dans le secteur de Vèze, donc au nord-ouest de Lyon. Îlot dont on savait qu'il y avait que François Cointreau avait fait des constructions et pour lequel il y avait eu une sorte d'imbroglio patrimonial à l'occasion de démolition d'une part de l'îlot ici au début des années 2010. Alors, il y avait un problème d'identification parce qu'en fait le bâti, vous le voyez ici, c'est un plan de datation que nous avons réalisé
En fait, les particules intronaux sont en rouge et tout le reste sont des apports ou des modifications. Donc on a un bâti qui est très modifié pour lequel il n'y avait pas de plan initial. Mais en recoupant l'analyse du bâti sur le terrain avec les archives notariales des ventes successives de ces biens, on a pu reconstituer en fait le plan initial de l'ensemble qui est très singulier. Non pas en raison de la présence de pisé, parce que du pisé, finalement, on en retrouvait dans les faubourgs lyonnais déjà depuis longtemps, je l'évoquais juste avant, mais en raison ici de l'envergure très spectaculaire de l'opération. On a 100 mètres linéaires de façade, notamment de la Grande Rue de Vesse, qui est une artère principale pour rentrer dans Lyon, avec une distribution aussi très... peu habituel pour l'époque, avec une pour commune et puis différentes cages d'escalier qui desservent les logements dans les étages. Donc ici, vous avez un développé des façades sur rue et toutes les parties avec des façades pas mal modifiées, mais qui ont gardé le gabarit initial voulu par Cointreau. Au 19e siècle, alors le 19e siècle est une période très importante dans l'histoire lyonnaise, puisque la population de Lyon explose, que la ville s'étend considérablement en sortant de ses remparts. Et donc ici, vous avez trois vignettes qui figurent en trois étapes l'extension urbaine de Lyon entre le premier, le deuxième et le troisième tiers du 19e siècle. Le croisement du corpus avec ces extensions urbaines montre à chaque fois que le pisé est utilisé dans des secteurs de primo-urbanisation, donc dans des secteurs en cours d'urbanisation, nouvellement urbanisés, et qui correspond souvent à des secteurs populaires, de quartiers populaires. Alors, c'est le cas ici dans le premier et deuxième tiers du 19e siècle sur le secteur de la Croix-Rousse. On sait aussi qu'il y en a eu énormément dans ces secteurs sur la rive gauche du Rhône, mais là, évidemment, tout a disparu suite aux inondations. Et puis, dans le troisième tiers du 19e siècle, c'est moins le cas encore un peu à la Croix-Rousse, mais c'est surtout dans les quartiers est de Lyon, sur la route de Vienne, sur le secteur de Montchard, où là, on observe le plus de pisés, qui sont des secteurs de nouveaux lotissements en pleine urbanisation. D'un point de vue typologique, on observe aussi de très très grandes mutations pendant cette période du 19e siècle, puisque si les petites maisons de faubourg que je présentais juste avant continuent de se faire dans les années 1800-1830, on observe par contre le développement de très grandes opérations à partir des années 1815-1820, avec notamment pendant tout le 19e siècle fréquemment des immeubles qui peuvent faire jusqu'à une vingtaine de mètres de large, qui font un, deux, parfois trois étages. Plus ponctuellement, dans les deux premiers tiers du 19e siècle, des immeubles qui font trois à quatre étages. Et puis, dans les années 1815 jusqu'à 1830, de très grands immeubles qui sont, eux, tous situés dans le secteur du haut des pentes de la Croix-Rousse et du plateau de la Croix-Rousse, avec une présence de pisé non plus cette fois dans toutes les élévations, mais uniquement dans des murs peu ouverts qui sont des murs de refend, des murs mitoyens. Alors, ce développement des immeubles est par ailleurs connu à Lyon et très singulier. Il a rapproché d'un nouveau développement spatial de la fabrique de la soie. Donc Lyon est traditionnellement une ville de tissage de la soie depuis la Renaissance. Et en fait, à partir du début du 19e siècle, avec l'invention de nouveaux métiers à tisser, cela conduit à une réorganisation complète du tissage de la soie et à l'urbanisation de nouveaux quartiers à proximité du centre-ville, avec des immeubles qui présentent des étages de plutôt 4 mètres de haut, puisque les métiers à tisser font 4 mètres de haut, avec des fenêtres qui sont des façades qui sont très ouvertes de manière à apporter le plus de lumière possible, et pour y loger des métiers, des personnes en lien avec cette activité de la soie, et notamment des ouvriers tisserands qu'on appelle des canuts. Donc ces immeubles sont loués, ils sont construits par des investisseurs privés et loués, des familles ayant une ou à deux pièces, et à la fois elles vivent dans ces lieux qui servent aussi d'ateliers.
Alors voici par exemple deux de ces immeubles qui sont situés rue du Mail à la Croix-Rousse et qui ont pu être documentés grâce à une démolition ici d'un petit immeuble, et ce qui a permis de documenter la présence de pisées de terre dans les vieux murs pignons mitoyens. Vous voyez qu'à chaque fois, là, dans ces relevés, donc, qui présentent ces deux murs pignons, on a une présence de pierre en bleu, notamment enchaînage, ce qui indique la présence de pierre dans les façades des murs boutreaux, ce qui a une logique constructive, puisque ces façades boutreaux ont des trumeaux très fins, très élancés, avec des fenêtres très hautes, et par ailleurs reçoivent le poids des planchers, puisque les poutres principales des planchers sont encastrées dans ces façades. Par contre, on a une présence assez importante de pisées dans les murs latéraux qui, eux, sont beaucoup moins ouverts. En fait, je pense que cette utilisation intelligente des matériaux est à rapprocher de la disponibilité des matériaux, de leur coût et de leur capacité constructive. À savoir qu'en secteur en partie haute de la Croix-Rousse, la pierre devait être importée, il n'y avait pas de carrière sur place, donc il fallait déjà la faire venir à Lyon, puis la monter en partie haute, ce qui était assez cher. Et du coup, on peut imaginer que la pierre était au moins deux, voire trois fois plus coûteuse que la terre, alors que la terre, elle, prise sur place pour toutes les excavations, que ce soit pour les caves, les fondations, était traitée, si elle n'était pas utilisée sur place, elle était traitée comme un rebut, et notamment, on sait qu'elle devait être envoyée à charge du constructeur jusque dans les nouveaux quartiers en cours d'urbanisation, dans les zones inondables, donc ce qui était assez coûteux. Finalement, il y avait donc une logique d'utiliser la pierre là où on en avait absolument besoin d'un point de vue structurel et d'utiliser de la terre là où on pouvait faire des économies, ce qui permettait sans doute aussi de trouver une forme d'équilibre financier dans ces opérations qui était peut-être un petit peu difficile, étant donné qu'on avait des ouvriers, que ces habitations logeaient des ouvriers, et donc ces ouvriers ne devaient pas a priori apporter des loyers très importants. Dernier point sur le 19e siècle, ça concerne la réglementation. Alors, je le disais tout à l'heure, donc on parle souvent de la réglementation de 1856. En fait, il s'avère qu'il y en a beaucoup plus, que ces textes sont assez complexes, qu'ils varient suivant les secteurs de Lyon, que ce soit à Lyon ou dans ses anciens faubourgs, qui jusqu'en 1852 ne sont pas rattachés à la ville de Lyon, donc qui ont leur propre système réglementaire. Ces textes n'avaient jusqu'à présent pas été analysés et souvent ils sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Donc pour davantage rentrer dans l'analyse de ces textes et permettre une comparaison croisée avec ce que j'observais sur le terrain, j'ai fait une analyse graphique à partir d'un fragment imaginaire de ville qui en fait correspond à une vue assez habituelle des secteurs en cours d'urbanisation à Lyon au XIXe siècle, avec des immeubles plus ou moins élevés sur rue, d'autres qui peuvent être construits en recul lors d'une densification de la parcelle, des murs de clôture, du bâti annexe qui est construit, adossé à ces murs de clôture, et puis aussi ponctuellement des maisons plus bourgeoises avec des parcs. Sur ces vues sont représentées en gris les parties où le pisé est strictement interdit et en orange les parties où le pisé, lui, reste toléré. La mise en perspective de tous ces textes est résumée ici dans ce tableau. Vous avez l'ensemble des textes qui ont été appliqués à Lyon et donc dans ces anciens faubourgs entre le début du 19e et le début du 20e siècle. Et pour lesquels, évidemment, puisque tous les textes réglementaires ne comportent pas des éléments sur le pisé. On peut distinguer, en fait, à partir de cette mise en perspective, deux grandes familles. Une première famille que l'on pourrait qualifier de texte autoritaire, pour lequel on a tout simplement interdit radicalement le pisé, la construction en pisé. Donc ça s'observe dans les années 1810 à Lyon et à la Croix-Rousse.
et en 1856 à Lyon, mais uniquement sur le secteur intramuros. Et puis une deuxième famille, qui je qualifierais plus de pragmatique, qui essaye d'encadrer en fait, l'usage du pisé avec des autorisations suivant les secteurs, suivant si on est en façade sur rue, en façade sur cour, et avec, en imposant des niveaux de hauteur. En gros, la comparaison de ces textes avec le corpus montre que ces textes ont une incidence très contrastée. Dans les premiers textes qui sont une interdiction stricte, on observe qu'ils ne sont pas du tout suivis sur le terrain. Ça correspond à la même époque où on interdit complètement le pisé, c'est l'époque où on fait les immeubles les plus hauts du corpus. Donc on ne peut pas dire que ce n'était pas visible. Donc vraiment, ce qui pose la question de la manière dont ces textes, ensuite, comment on pouvait les contrôler leur application. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est au début aussi, ce sont les premiers textes réglementaires, la réglementation urbaine apparaît fin 18e, début du 19e siècle, et donc les autorités étaient en fait complètement débordées et avaient a priori pas les équipes pour suivre ce qui se passait sur le terrain. C'est sans doute pourquoi ensuite on a une sorte de rétropédalage où on se met à autoriser le pisé, mais cette fois en essayant d'influer les pratiques de manière à ce que, je pense que les autorités se sont rendues compte qu'ils ne pouvaient pas interdire complètement cet usage, et donc plutôt d'essayer de concentrer les choses et d'influer les choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à partir des années 1820 et surtout 1830-1840, dans le secteur de la Croix-Rousse et de Lyon, eh bien, on a des constructions nettement moins hautes qui sont réalisées. Et donc, on peut imaginer que même si, moi j'ai bien vu des exemples où la réglementation n'était pas respectée, eh bien, il n'empêche qu'il y a bien eu une influence. Et malgré une pause d'une vingtaine d'années entre 1856 et 1874, ces textes sont remis en place ensuite sous la Troisième République à partir des années 1870. Quelques mots juste sur le XXe et le XXIe siècle. On observe en fait dans le corpus un arrêt complet de l'utilisation du pisé dans le bâti vernaculaire aux alentours des années 1900. Cet arrêt d'utilisation est certainement à mettre en lien avec le développement de matériaux économiques, certes un peu plus chers que le pisé de terre, mais beaucoup plus résistants, beaucoup moins sensibles à l'humidité, que sont le pisé de mâchère et les premiers bétons, qui étaient eux aussi pisés, donc avec exactement la même technique. La présence du pisé et plus largement de la terre crue se retrouve ensuite au XXe et au XXIe siècle de manière ponctuelle et correspond en fait à des alternatives au tout béton, que ce soit dans les années 1920 ici avec une expérimentation sur une cité ouvrière Philippe de la Salle à Lyon, qui correspond en fait à un moment où on n'avait plus de main-d'œuvre, de crise économique liée après la Première Guerre mondiale et de pénurie de matériaux, et où il y a eu des tentatives de refaire du pisé de terre. Et puis ensuite, à partir des années 70, dans le contexte de crise écologique, de remise en cause donc, du béton, que ce soit ici par exemple le domaine de la terre vers Bourgoin-Jallieu, ou à Lyon plus récemment, ici de bâtiments d'orangerie en pisé et préfabriqué. Pour conclure, je pense que cette étude, cette recherche donne une nouvelle lecture de l'histoire de Lyon, de l'histoire urbaine, sous l'angle de ses ressources constructives, et en donnant un intérêt particulier à peut-être certains bâtiments qui jusqu'ici paraissaient complètement inaperçus. Par exemple, ici, vous avez l'image d'un bâti annexe en fond de cour, qui est en appui sur un mur de clôture, certainement surélevé. Eh bien, ce qui pourrait paraître tout à fait anodin revêt un intérêt beaucoup plus particulier quand on se rend compte que ici le chantier voisin a fait une excavation et on voit qu'on a exactement la même terre qui est ici entre la partie du sol naturel et ici l'élévation du bâtiment, qui est une terre lossique, une terre fine dont je parlais tout à l'heure. Cette nouvelle lecture, sous l'angle des ressources, serait certainement à approfondir par d'autres apports sur d'autres matériaux. Parce que le pisé tout seul, il n'est rien. Et que ce soit sur des soubassements en maçonnerie de pierre, on en parlait tout à l'heure, mais aussi parfois dans des compositions avec des mâches-fer. Par exemple, ici, on a un mur pignon d'un grand immeuble à Caluire,
qui utilise de la pierre, du mâche-fer et du gelé de terre. Et puis aussi d'autres matériaux comme importés, parce qu'il n'y avait pas que de la pierre qui était importée à Lyon, mais aussi de bois. Ici, vous avez une image du port de déchargement du bois au début du 19e siècle. Donc il serait très intéressant de comprendre comment ces différents matériaux s'imbriquent les uns avec les autres, parce qu'il y a une intelligence constructive liée à la possibilité, à la disponibilité des ressources, à leur coût et à leurs ressources constructives, à leur capacité constructive, et puis également de l'évolution de ces matériaux liés à la révolution industrielle, qui a été vraiment un grand changement, que ce soit sur les apports de nouveaux matériaux industriels, je parlais de mâche-fer et de ciment, mais aussi l'arrivée du train qui a complètement changé les circuits d'approvisionnement de ressources. Le fait de construire avec la terre que l'on a sous les pieds aide sans doute aussi à percevoir le pisé se bâtir avec des valeurs patrimoniales intrinsèques qui n'avaient pas été perçues jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand on se rend compte ici, par exemple, c'est le secteur de lotissement de Montchat qui a été urbanisé dans le dernier tiers du 19e siècle, quand on voit la forte concentration de présence du pisé, et sachant que l'inventaire n'est pas du tout exhaustif, on se rend compte qu'on a très très fortement utilisé probablement cette technique pour la construction de ce lotissement, et c'est vraiment avec la terre prise sous les pieds, a priori, qu'on a édifié ces édifices. C'est avec aussi la terre prise sous les pieds qu'on a pu construire de grands immeubles, qui sont peut-être parmi les plus hauts au monde. On a des élévations en terre jusqu'à 25-26 mètres de haut à Lyon, qui sont de vraies prouesses techniques, quand on sait qu'on a la même épaisseur du mur en partie basse et en partie haute, 50 cm, donc avec aucun fruit. Ou encore, avec cette terre, on a pu construire des bâtiments plus prestigieux, qui montrent que, comme ce château ici de la fin du Moyen-Âge, qui est situé à Lyon, qui montre que le pisé n'est pas un matériau du pauvre, mais plutôt un matériau de l'économe et d'une certaine forme de sobriété et d'intelligence constructive. Au regard de cette nouvelle lecture de valeur, on peut s'interroger de la possible patrimonialisation de ces bâtiments. Quand on sait par exemple qu'il y a bien des bâtiments en pisé dans le secteur inscrit au patrimoine de l'UNESCO de Lyon, et que le dossier de candidature au patrimoine de l'UNESCO ne contient pas une seule fois le mot pisé, ce qui est sans doute représentatif d'un endroit où on a complètement oublié cette présence et on l'a complètement sorti de l'imaginaire et de la construction de la ville. Sur le terrain, on observe aussi de nombreux problèmes avec des mauvaises pratiques qui ensuite induisent des pathologies, voire des effondrements, et des démolitions très importantes, notamment, là on ne voit pas sur la carte, mais sur les secteurs est de la ville, qui sont peu protégés patrimonialement, et avec une pression immobilière très importante, et où, de ce fait, on a des démolitions sans considérer s'il y aurait une valeur patrimoniale à ces édifices, alors que Lyon a finalement été inscrite aussi à l'UNESCO en raison du continuum historique et de la visibilité des différentes phases de cette urbanisation depuis sa création à l'époque antique jusque là ici, le secteur UNESCO ne comprend que la partie finalement de l'époque moderne, mais oublie complètement l'époque plus tardive et notamment le 19e siècle. Ces questions, elles sont aussi transposables à d'autres sites urbains, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une présence de pisé très difficile, souvent identifiée, mais bien réelle, dans des villes comme ici à Voiron. Ce type de vue est vraiment très rare. Mais également, j'en ai un petit peu parlé, dans d'autres secteurs, à Perpignan, vous voyez ces secteurs en rouge qui sont des lotissements médiévaux construits en terre massive et pour lesquels on a identifié la présence de pisé que depuis 25 ans. Ou ici encore à Troyes. Alors là, on n'est plus sur du pisé, on est en fait ce qui semble être un immeuble haussmannien en pierre et un immeuble en pan de bois avec un remplissage en terre et avec un habillage en bardage bois.
cette présence du Pisé aussi dans le bâti urbain pourrait être une forme de révélation, de manifeste pour la construction de demain. Aujourd'hui, plus aucun chantier en Pisé ne se ferait avec des immeubles en terre porteuse de manière aussi haute. Il serait intéressant de se questionner pourquoi, finalement, on ne s'appuie pas sur ces démonstrations offertes par ces bâtiments. Ici, on a un immeuble de 4 niveaux, en terre porteuse, à Lyon, une terre qui n'est pas stabilisée, et avec des solutions très simples pour limiter la fissuration, avec des chaînages en bois qui sont répartis régulièrement dans l'élévation. Les textes réglementaires aussi du 19e siècle pourraient certainement nourrir une réflexion sur les normes actuelles qui est toujours en cours sur la manière de normaliser la construction en terre et notamment en pisé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Emmanuel pour cette présentation très claire. Donc on va passer maintenant aux questions. Donc on va commencer par l'un des deux rapporteurs, donc Béatrice Charles. Bonjour. On n'a pas le micro. Si, il y a un micro. Ah oui, surtout pour Thierry, parce que sinon il y a un mal. Des pièges qu'on désire. Oui, normalement ça marche, on a testé tout à l'heure. Super, ça marche. Eh bien, bonjour. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup. À Thierry et à vous de m'avoir invité à ce jury. Et donc, en tant que rapporteur, une des deux rapporteurs, je démarre donc, et donc je vais largement m'appuyer sur mon rapport. Et comme il convient, eh bien, je vais un petit peu dérouler le côté un peu classique, en fait, académique, je dirais, d'une lecture de cette thèse. Alors, merci pour cette présentation aujourd'hui, qui fait encore la preuve, s'il demeurait quelques doutes, du sérieux, de la passion et de la maîtrise avec lesquelles vous restituez ce travail. Et je découvre quand même aujourd'hui quelque chose sur votre première diapositive, c'est que vous êtes architecte du patrimoine. Vous n'avez pas dit un mot dans votre thèse. Et je pense que ça éclaire quand même aussi beaucoup de choses. Ça aurait été intéressant que vous en parliez à un moment dans votre introduction. Alors, vous proposez pour thèse de doctorat en architecture, intitulée « Construire la ville en terre, le pisé, matériau essentiel de l'extension urbaine » de Lyon, 15e et 19e siècle, un manuscrit de 365 pages, dont 16 pages de bibliographie et 11 pages d'index des illustrations établies. À ce premier volume s'ajoutent plusieurs annexes, un volume de 115 pages composé de 21 annexes, un volume 3 de 369 pages composé de 365 fiches présentant les bâtiments du corpus de recherche sur la ville de Lyon, et un quatrième volume composé de 365 fiches présentant les bâtiments du corpus de recherche sur la métropole lyonnaise, hors la ville de Lyon. À ça se rajoutent deux tableaux de base de données listant respectivement les éléments des volumes 3 et 4, une notice d'une page présentant la méthode de gestion des données, et enfin une carte pliée de repérage des opérations qui est affichée ici, dans la métropole de l'Est. L'étendue des références bibliographiques mobilisées atteste en 16 pages une connaissance de la littérature susceptible d'éclairer votre sujet.
C'est-à-dire, c'est dire l'énorme travail fourni. Et aujourd'hui, je vais vous dire à quel point je suis vraiment impressionnée par votre capacité à mener jusqu'au bout cette démarche. La lecture du manuscrit du volume 1, en trois parties, invite tout d'abord à souligner les grandes qualités qu'elle révèle. Tout d'abord, la fluidité de l'écriture, la clarté du propos et la diversité des outils mobilisés. Vous l'avez redit aujourd'hui, des documents d'archives, des inventaires participatifs, des relevés, des cartes, etc. Vous affirmez clairement dès le début une volonté d'établir un recensement des constructions empilées dans la métropole lyonnaise, faisant l'hypothèse d'un usage quasi ininterrompu de ce matériau de construction du Moyen-Âge au début du XXe siècle. Étant donné la qualité de la base de données recueillie, on peut considérer que la mission est accomplie. Dans l'introduction de 11 pages, vous montrez tout d'abord comment la recherche s'inscrit dans la continuité d'un mémoire du DSA Architecture de Terre qui répertoriait déjà un certain nombre de bâtiments lyonnais et révélait la difficulté d'identification des constructions de pisé en pisé en milieu urbain en raison de la présence d'enduits et d'absence de fruits dans l'élévation des murs, ainsi que les réticences des différents acteurs du territoire envers ce matériau en raison de sa fragilité d'eau à l'eau. La thèse part donc de ses acquis et cherche à les développer. Son objectif consiste en la mise en lumière, je vous cite, des spécificités historiques et morphologiques des bâtiments présentant du pisé de terre, avec pour perspective de questionner les enjeux patrimoniaux. Ce travail est destiné clairement aux acteurs locaux, et l'objectif consiste à leur offrir des données et résultats facilement appréhendables. Le résultat de cet impressionnant travail, c'est une collection de 750 bâtiments référencés. La méthode est très précise. Elle adopte les outils des inventaires patrimoniaux, passant par l'élaboration de fiches descriptives, illustrées, de photos, avec la localisation, le type de bâti, la datation. Mais vous ne vous arrêtez pas là, car vous menez également un inventaire participatif, car il n'est pas si facile de connaître la composition des murs. Et donc s'ajoute à cette démarche, déjà très complète, des analyses typomorphologiques, des relevés sur site, des lectures de textes réglementaires d'urbanisme. Nul doute que les acteurs du territoire auront en main un outil complet et efficace. Espérons qu'ils en feront bon usage. La première partie de 74 pages établit un état des connaissances sur l'architecture en pisé de l'Antiquité à l'époque contemporaine, à travers l'histoire urbaine de Lyon et de ses communes périphériques. Cette approche chronologique révèle un certain nombre d'arguments en faveur de l'usage du pisé, comme le probable réemploi de terre dans des bâtiments médiévaux, le faible coût de revient du matériau trouvé sur place, la rapidité de mise en œuvre et l'indépendance vis-à-vis des circuits d'approvisionnement de la pierre. Le sujet est d'autant plus pertinent que François Cointreau, architecte et entrepreneur lyonnais, est l'auteur de nombreux bâtiments dans la région. Ce dernier confirme, je vous cite, l'utilisation du pisé dans les campagnes lyonnaises comme une pratique séculaire, tant pour la construction du pisé ordinaire que pour celle de riches châteaux et maisons de plaisance. On vous suit avec grand plaisir, je dois dire, dans les rues du Grand Lyon, tel un détective à la recherche d'indices permettant d'affirmer ou de supputer la présence de pisé dans un bâtiment, à travers un enduit détérioré, un chantier en cours, un témoignage d'un habitant perçant un mur. Vous menez le guet devant les échafaudages de ravalement et guettez les désordres d'une grosse œuvre pour inspecter la moindre fissure. Enquête d'autant plus difficile que la présence de pisé ne signifie pas que l'ensemble de la construction suit cette technique. C'est dire à quel point le Grand Lyon n'a plus aucun secret pour vous. Car à ce travail de terrain,
vous mêlez une histoire de l'architecture et des réglementations urbaines. On comprend que le Pisère a fait l'objet de nombreux débats entre les partisans et ceux qui le voient comme un risque. Le risque d'inondation à Lyon étant particulièrement sensible, on comprend pourquoi ce matériau fait l'objet de tant de doutes. La description des catastrophes successives vont jusqu'à accuser les bâtiments en terre d'entraîner dans leur destruction des bâtiments en pierre. La question est récurrente. Est-ce qu'on autorise l'usage du pisé sur rue, sur cour, au-dessus d'une certaine hauteur? Évidemment, les écarts entre les règles écrites et leur application sont importants. Ce récit linéaire est souvent très, parfois, trop détaillé, j'avoue. Il soulève un certain nombre de questions, dont on peut regretter qu'elles ne soient pas vraiment identifiées. On se perd un peu dans les détails. Alors qu'en filigrane apparaissent certains sujets tout à fait essentiels, comme celui, par exemple, des conditions d'existence d'un matériau entre ressources locales, économie de la construction, normes et règles d'urbanisme et savoir-faire locaux. Je viens à la deuxième partie. La deuxième partie, 56 pages, concerne la méthode de recherche et passe en revue le corpus sur lequel elle s'appuie. L'approche systématique et l'exigence des outils quantitatifs mis en place sont à la hauteur de l'ambition affichée. L'analyse fine des règlements d'urbanisme successifs dans différentes parties de la métropole montre des disparités importantes dans l'acceptation de ce matériau que les arguments géologiques et hydrologiques n'expliquent pas que partiellement. Un bref passage sur la provenance des terres laisse le lecteur sur sa faim, avec le sentiment de passer à côté d'un argument majeur. En effet, la valorisation des terres argileuses vient interroger une économie de la construction liée à la récupération de terres d'excavation de chantiers proches, apparemment assez fréquentes. Par ailleurs, les contraintes de conception liées au pisé et leurs évolutions au cours des siècles ne sont quasiment pas abordées. Portée maximum, composition des planchers, organisation interne et luminosité des logements, ouverture en façade, mitoyenneté, autant de questions que l'on se pose en regardant l'ensemble de ces bâtiments. Si une approche morphologique agrémentée de plans de niveau et d'ambiance intérieure est nécessaire, voire essentielle à la recherche en architecture, c'est bien qu'elle permet de saisir la qualité des constructions au-delà d'une approche purement technique. J'en viens à la troisième partie, de 136 pages, qui adopte une approche à nouveau chronologique pour présenter les éléments d'architecture du corpus. Les descriptions sont précises et claires, mais manquent parfois de développement. Les maisons de Cointreau, par exemple, apparemment particulièrement bien conservées en raison de la qualité de leur construction, appellent à de plus amples investigations et relevés. La base de données d'une grande richesse permet sans doute de tisser quelques fils conducteurs et de révéler certains arguments. Par exemple, le classement des éléments du corpus. Toute époque confondue par largeur de façade et nombre de niveaux, ensemble mitoyen ou isolé, pourrait peut-être dévoiler des possibles déterminants spatiaux liés aux matériaux entre un immeuble ordinaire du XVIIIe siècle et un autre du XXe siècle. Enfin, si l'argument du premier plaide en faveur du pisé, semble être celui de l'économie de la construction, encore confirmé par l'opération expérimentale de logements sociaux de la cité Philippe de la Salle, il devient tout à fait passionnant et essentiel d'analyser l'ordinaire de ces bâtiments et de mener des investigations plus approfondies sur quelques bâtiments bien choisis. La conclusion dresse en 38 pages les résultats des différents chapitres. Elle nous éclaire sur plusieurs points dont on peut regretter qu'ils ne soient arrivés plus tôt dans le texte, voire dans l'introduction. Par exemple,
page 301, on comprend que la raison principale de cet inventaire consistait à apporter des réponses à ceux qui prétendent que la disparition des constructions empisées serait liée au règlement d'urbanisme et aux multiples destructions liées aux inondations. Vous avez certes prouvé le contraire, mais on n'avait pas bien compris quelle était la question dès le départ. D'autres hypothèses tout à fait intéressantes de diffusion du Pisé sont énoncées comme l'influence des écrits et des réalisations de Cointreau ou la défense du matériau par les théoriciens physiocrates. Ces hypothèses et références théoriques, capables de nourrir un propos et de développer un état de l'art, arrivent un peu tardivement dans le document, alors qu'elles soulèvent de grandes questions de fond, capables d'enrichir le propos. Les énoncer clairement dès le début aurait aidé le lecteur à cheminer avec vous. Je ne commenterai que le manuscrit principal. Je ne vais pas vous faire... Je laisserai tranquille les nombreuses annonces. Il est important de saluer le travail doctoral qui plonge au cœur d'une matière de première main, nourrie d'évaluations in situ et de documents originaux. Vous avez vraiment une capacité remarquable à articuler un corpus historique et une base de données quantitative. Je vais prendre quelques questions que j'ai déjà énoncé dans mon pré-rapport. Il faut les comprendre à la lumière de ce que j'attends personnellement d'une recherche en architecture, c'est-à-dire porteuse de perspectives. La première est d'ordre méthodologique. Comment pensez-vous que les acteurs vont interpréter ce travail ? Votre propos consiste à transmettre des connaissances pour l'action à destination des acteurs locaux. Aucun critère sélectif n'est donné, ni sur le plan architectural, ni sur le plan technique. La présence du Pisé suffit-elle à inscrire un bâtiment sur la liste, patrimoniale, quelle qu'elle soit ? Par ailleurs, si l'approche est avant tout patrimoniale, il serait précieux de joindre à ce travail des données qualitatives concernant le matériau, son réemploi, sa réparation ou sa protection. Cette remarque concerne également l'architecture intérieure, finition, enduit et décoration. Car, comme vous le soulignez, les qualités climatiques du Pisé sont remarquables, notamment en termes d'hygrométrie et d'isolation. Et François Cointreau en faisait déjà l'éloge. Mais on sait très bien que certains enduits intérieurs ou extérieurs viennent complètement détériorer les qualités de ce matériau. Ma deuxième question concerne le milieu local de la construction en terre aujourd'hui. Les enjeux d'économie circulaire et de savoir-faire apparaissent timidement dans le propos de la thèse. Que sont devenus, par exemple, les maçons piseurs, évoqués page 75, qui apportent la preuve d'un système local organisé et non uniquement l'affaire d'une architecture rurale vernaculaire et autoconstruite? Qu'en est-il aujourd'hui du monde des entreprises du bâtiment et des artisans lyonnais? François Cointreau n'était-il pas architecte, entrepreneur et personnage inventeur de l'agritecture, auquel le livre de Jean-Philippe Garry rend hommage, ouvrage absent d'ailleurs de la bibliographie? On peut se demander s'il reste à Lyon une culture locale de cet héritage. Ma troisième question rassemble les deux premières et concerne la période traitée. La thèse s'arrête au moment où les constructions en pisé disparaissent du paysage lyonnais. On comprend votre épuisement à nourrir cette base de données, mais les conditions d'existence d'un système productif local capable de relever le défi de construire à nouveau en pisé ouvrent des perspectives stimulantes pour la métropole lyonnaise. Et vous en avez montré quelques exemples aujourd'hui, qu'on connaît bien et qui ont été relevés par la presse de l'architecture. Et on sait bien que c'est telle est l'ambition poursuivie par Cratère depuis des décennies. Mais on comprend mal comment cette monographie lyonnaise ne suit pas cette démarche tournée vers l'avenir. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez ouvert quelques perspectives en termes d'urbanisme. Mais j'aimerais bien, peut-être pas vous entendre sur ces trois questions, parce que ça nous amènerait des débats trop longs qu'on pourrait avoir plus tard. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail. Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous.
Merci. Merci beaucoup pour votre rapport et pour ces questions qui ouvrent effectivement des perspectives de discussion, d'approfondissement, notamment par rapport à des choses qu'on n'aurait pas pu évoquer ensemble aujourd'hui. Vous avez cité beaucoup de choses qui soulèvent beaucoup de questions et qui amèneraient à beaucoup de réponses. Alors, je me tourne devant le président. Bien. Vous m'arrêtez quand vous voulez qu'on passe à la suite. Alors, écoutez, effectivement, peut-être que je ne sais plus si je l'ai précisé en introduction, mais vous dites que non, donc ça doit être le cas. Effectivement, je n'ai pas mentionné peut-être que je suis architecte du patrimoine. Et c'est vrai que avant de travailler, de faire de la recherche, j'ai travaillé longuement dans des agences spécialisées sur la restauration du patrimoine. Et c'est vrai que certainement l'approche de la thèse doit beaucoup en fait à cette culture patrimoniale d'approche des objets patrimoniaux qui nécessite, suivant un processus assez classique, de ce qu'est la patrimonialisation du bâti, qui est d'abord le socle de la connaissance, sur lequel, à partir de cette connaissance, on va pouvoir mettre en avant les valeurs intrinsèques du bâti, sur lequel, ensuite, on apporte des éléments donc, de choix aux décideurs pour qu'ils puissent faire des choix éclairés de qu'est-ce qui doit être conservé ou non, et qui ouvre ensuite des perspectives d'action, de gestion, de conservation, de protection, d'aide, etc. De réglementation aussi. C'est vrai que c'est cette approche donc de nourrir la connaissance qui pour moi était absolument fondamentale pour pouvoir mettre en avant des valeurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, alors à l'issue du mémoire de DSA, on savait certes qu'il y avait de la terre. On commençait à avoir une idée dans quel type de bâtiment, même si les inventaires étaient nettement moins compliqués qu'à cette époque. Par contre, on n'avait aucune idée de la datation de ces constructions. Et ce qui était quand même vraiment problématique, parce qu'on n'avait que des bâtiments issus d'une période du 19e siècle, est-ce qu'on n'avait aucun élément, et il me paraissait très important de pouvoir apporter ces éléments de datation et de pouvoir les mettre en perspective. Et c'est ce qui explique l'approche chronologique de la thèse, qui est certes détaillée et j'imagine parfois un peu longue à lire sur certains passages, parce qu'il me paraissait important d'avoir cette approche systématique par période sur la répartition, sur la typologie, etc. etc. Alors certes, tout ne peut pas être complet de ce fait, et comme j'ai essayé de le montrer en conclusion, il y a, je pense, à partir de ce premier noyau de connaissances sur la présence du pisé dans le bâti ancien à Lyon, une multitude de possibilités de développement. Je ne vous rejoins pas tout à fait sur la question de la provenance de la terre, parce qu'elle est, je trouve, quand même évoquée à de multiples reprises dans le manuscrit, dans différentes parties, que ce soit le croisement avec la carte géologique, également des informations sur les connaissances qu'on avait sur la provenance des terres dans, à Lyon et dans la région. On avait quand même quelques éléments. Et puis, j'ai aussi fait un développement sur le lien qu'on peut faire entre le développement de carrières de gravier dans le secteur de Montchat et l'urbanisation de Montchat, donc, qui est ce quartier que j'ai montré à la fin de Plan, qui est un lotissement de la fin du 19e siècle, et où on imagine bien que quand il y a une carrière de gravier, il n'y a pas, on ne va pas extraire que du gravier, on va aussi extraire de la terre, et que cette terre a été mise à profit, a priori, pour la construction. Concernant Cointreau, également, je suis un petit peu surpris de ce que vous dites par rapport à la conclusion, parce que l'influence de Cointreau est assez longuement évoquée dans la première partie, entre les pages 72 et 76, sur justement une discussion de savoir quelle aurait été l'influence de Cointreau et des théoriciens à Lyon, alors que finalement, on savait déjà construire en terre. Valérie Nègre a écrit un article il y a une vingtaine d'années sur la théorie pratique du pisé, et qui déjà faisait l'hypothèse que ces écrits en fait n'étaient pas destinés à des gens qui connaissaient déjà la technique du pisé, mais à des gens qui ne la connaissaient pas du tout.
Et il serait très intéressant de faire un travail d'historien pour voir comment ces écrits ont pu être distribués en région lyonnaise. Moi, je pense qu'il n'y a eu vraiment aucun retentissement de ces écrits de Pointereau, parce que finalement, il ne fait décrire dans les trois premiers cahiers d'architecture rurale des pratiques qui sont absolument courantes de ce qu'on voit dans le bâti de l'époque. Par contre, et c'est ce qu'on a montré, c'est ce que j'évoque notamment par rapport à l'immeuble de Pointereau qu'on a étudié avec Magali de Daven, c'est que, en fait, finalement, il y a deux vies dans la vie de Pointereau. Il y a sa vie de constructeur jusqu'en 1790, constructeur lyonnais, pour lequel on ne connaît absolument rien. Il n'y a quasiment aucune étude, et l'étude que nous avons fait sur l'immeuble est une des premières qui, permet de révéler qu'il existe encore des choses de Pointereau, et que finalement, au-delà juste de décrire de Pizet, il a aussi des points de vue très novateurs sur la manière dont on peut concevoir des immeubles, finalement dans des formes qui ne sont pas très habituelles, et qui renvoient plutôt à même des formes assez expérimentales, vu les échelles développées. Ce qui pourrait plutôt questionner sur l'influence que ces constructions et que ces disciples lyonnais ont pu ensuite avoir sous une forme d'héritage immatériel dans les décennies qui suivent, ensuite, puisque Pointereau part dans les années 1790 à Paris, il revient très peu à Lyon et c'est à ce moment-là qu'il écrit et ne construit plus. Et c'est vrai que toute cette période est, elle, beaucoup mieux connue. Vous citez le livre de Jean-Philippe Garrigue, que je connais bien évidemment, qui est très intéressant, mais qui en fait ne renseigne. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la bibliographie, parce qu'il ne renseigne pas du tout, il n'apporte pas de connaissances sur des constructions lyonnaises en pisé. Alors, pour arriver à votre première question, qui est sur l'interprétation, qu'est-ce que vont faire les acteurs locaux de tout cela? Alors, j'espère qu'ils vont s'en saisir, évidemment, d'autant plus que c'est pour ça que la thèse est en annexe se trouve des tableaux en format informatique, c'est que toutes les collectivités aujourd'hui utilisent des logiciels, des systèmes d'information géographique sur lesquels il est très facile de charger du coup cette collection de points et d'avoir une couche parmi tant d'autres dans leur SIG sur la connaissance du pisé. J'ai eu depuis de nombreuses années beaucoup de contacts avec la ville de Lyon et avec la métropole, avec différents services. Je sais que certains nous suivent aujourd'hui, par exemple sur la retransmission, il y a donc un intérêt assez fort. Après, la question est plus patrimoniale en fait. C'est-à-dire que, et c'est là où ça rejoint un petit peu la troisième question, cet inventaire s'arrête en 1900 parce que les questions ne se posent plus du tout de la même manière, je pense, pour le bâti après 1900. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce bâti ancien, vernaculaire en pisé, il n'existe plus. Or, aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment des enjeux patrimoniaux très forts, que ce soit autour de la présence du pisé, avec des quartiers qui peuvent, où on a presque de la tabula rasa dans certains quartiers peu protégés patrimonialement à Lyon et qui sont très fortement construits en pisé, ce qui pose à la fois des questions d'un point de vue patrimonial sur l'uniformisation du paysage, la disparition des traces de l'histoire de la ville, et puis aussi des questions écologiques quand on sait que en moyenne aujourd'hui les opérations de démolition reconstruction produisent, c'est dans leur livre à Sylvain Grisot et la présidente de l'Ordre des architectes. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Christine Lecomte, merci, qui nous disent dans leur livre l'année dernière que, paru en 2022, Réparons la ville, que la construction neuve, enfin démolition, reconstruction neuve, c'est 70 fois plus de matériaux et 5 fois plus d'émission de CO2. Donc je pense qu'il y a là un enjeu vraiment particulièrement très fort autour de ce bâti ancien en pisé, que ce soit tant d'un point de vue patrimonial qu'écologique. Pour terminer, c'était votre deuxième question sur la filière terre, et je voudrais rebondir là-dessus, justement sur le devenir de ce bâti. C'est-à-dire que
Ce qu'on observe, c'est que les maçons-piseurs ont arrêté de faire du pisé de terre aux alentours des années 1900, on l'a dit, et puis ils sont passés au pisé de mâche-fer et au pisé de béton. Il y a une vidéo très intéressante de la société L'Avenir, qui est une société très connue de construction à Lyon au début du XXe siècle, qui montre la construction de l'hôtel de ville de Villeurbanne avec des maçons-piseurs qui sont sur les colonnes cadenées en train de piser du pisé de mâche-fer. Et comme la vidéo est en noir et blanc, on pourrait presque croire du coup que c'est construit en terre. Et puis, avec même technique aussi pour les pisés de béton, et ces techniques se perdent complètement en fait avec l'arrivée du béton poulé. Et aujourd'hui, ces filières de piseurs qui ont complètement disparu, elles ont été un petit peu documentées par des études ethnographiques dans les années 70, notamment par des gens de Crater. Heureusement que ça a été documenté parce qu'aujourd'hui ces gens ont certainement quasiment tous disparu. Et non seulement ces pratiques ont disparu, mais également même l'intelligence liée aux matériaux, et c'est ce qui explique les très très grandes difficultés qu'on observe avec toutes les malfaçons, toutes les pathologies qui sont créées aujourd'hui par des artisans qui interviennent sur du pisé sans avoir aucune connaissance des éléments simple sur le comportement de ce matériau ou de collectivités qui rehaussent des niveaux de voirie sans se soucier des niveaux de soubassement de pierre. Donc là-dessus, malheureusement, cette filière elle a complètement disparu. Elle reste aujourd'hui très embryonnaire et expérimentale autour des constructions que j'ai montrées, mais tout le monde est bien conscient ici que ça représente un grain de poussière dans l'océan, pour l'instant, malheureusement. Et on peut espérer, et je pense que c'est l'intérêt aussi que moi j'ai vu par rapport à mon sujet autour, avec beaucoup d'interlocuteurs, sur, au-delà d'interlocuteurs classiques du patrimoine et des questions de patrimonialisation, de voir comment cette connaissance du bâti ancien peut nourrir de nouveaux imaginaires et de nouvelles opportunités sur la construction de l'avenir. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu développer ça parce que je pense que c'est vraiment un autre sujet. Il serait sans doute intéressant de se dire qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et quelles étaient les possibilités hier grâce par exemple à ce travail. Maintenant, on connaît mieux certaines choses et voir quelles sont les possibilités d'évolution, quelles seraient les pistes pour avancer. Merci Emmanuel. Donc, on va passer maintenant au deuxième rapporteur. Vincent Léguin. Merci, Monsieur le Président. Donc, grand merci à Thierry Geoffroy, votre directeur, et à vous-même de m'avoir invité à construire votre jury. Alors, c'est toujours une posture un peu compliquée, puisque moi, je ne suis pas architecte, je suis effectivement sur le terrain du droit. Donc, quand Thierry m'a sollicité, je me suis dit, mais quelle bouche je pique. Je me suis dit, bon, si je me suis demandé, c'est une grande raison. Effectivement, en lisant votre thèse, j'ai compris effectivement pourquoi il m'avait sollicité. Alors, effectivement, moi, je vais parler depuis ma discipline. Ça, c'est toujours, effectivement, je ne vais pas aller sur un autre terrain que celui que je connais a priori. Donc, et peut-être effectivement porter à partir de la discipline un autre regard sur votre travail. Et effectivement, parce que moi, ce qui m'a fortement intéressé dans votre travail, c'est votre capacité à mettre votre point en contexte. Et Dieu sait si, quand on fait la recherche sur le droit, c'est quelque chose, effectivement, c'est une démarche auquel on est effectivement attentif, c'est-à-dire que toujours veiller à ce que. À regarder dans quel contexte s'inscrit la règle, en quelque sorte. Hein. Et voir effectivement comment la règle vit, prospère et contredite. Hein. Je vais partir de cette question-là, et peut-être aussi quelques réactions sur ce que vous avez dit dans votre présentation, notamment sur. Peut-être on n'aurait peut-être pas veillé à un contrôle strict de la règle. Moi, je serais peut-être moins affirmatif que vous. Ces questions-là, on pourra en discuter. Et donc, moi, je trouve que vous avez fait un travail, alors, on ne va pas revenir sur les qualités hein, de votre thèse, sur l'écriture qui est fluide, qui,
qui rend la lecture aisée, donc, mais plutôt effectivement, donc c'est déjà été souligné, mais plutôt effectivement sur le fait que moi il me semble que ce que j'ai perçu dans mon travail, c'est qu'au-delà effectivement de ce qui aurait pu être une approche très techniciste et puis typologique, finalement, de repérage, hein, finalement, du pisé dans les formes urbaines, vous donnez à voir aussi comment l'usage du pisé s'inscrit au cœur d'une histoire sociale. Et puis, à partir de cette question-là, comment finalement l'usage du pisé s'inscrit dans l'évolution ou dans l'expansion des formes urbaines. Et donc, bien évidemment, que vous mettez cette perception, elle découle aussi du fait que vous proposez une lecture critique des réglementations d'urbanisme et que finalement, cette histoire des réglementations d'urbanisme, vous la nouez à partir d'impératifs aujourd'hui on qualifierait de sécurité publique, c'est-à-dire que la prévention des sinistres, la gestion des risques, risques naturels bien évidemment, mais aussi quels sont les usages finalement des matériaux et quels sont les usages sociaux des matériaux. Et donc moi il me semble effectivement qu'il y avait là effectivement des verrous très importants sur la manière dont finalement sont construites les réglementations d'urbanisme et comment est-ce qu'elles influent sur les usages ou les mésusages peut-être effectivement donc, du puisé. Alors, page 203, il y a une phrase qui m'a particulièrement intéressé parce qu'elle fait référence évidemment à ma grille de lecture, et vous nous dites quelle incidence ont eu ces cadres normatifs sur la production bâtie et plus spécifiquement sur l'usage du pisé. Et c'est à partir de cette phrase finalement que de manière rétrospective, j'ai compris votre démarche. C'est-à-dire que, parce que c'est sans doute, tout au moins pour moi, à partir de ma discipline, c'est, me semble-t-il, le fil rouge de vos analyses. Et donc, moi j'ai vu effectivement, à travers votre méthodologie rigoureuse, vous apporter une pluralité de réponses à cette question-là. Et donc, en donnant à voir une profondeur de champ sur les usages du pisé en regard de la production des formes urbaines. Alors, il y avait finalement deux grandes questions moi, qui ont émergé à la lecture de votre thèse, et en vous écoutant peut-être d'autres ont surgi. La première question, c'est, moi me semble-t-il, c'est quelles sont les traces aujourd'hui sur la vie contemporaine. C'est-à-dire, finalement, est-ce que le pisé a toujours une place et au-delà, effectivement, de ces apparitions furtives, hein, qu'il y avait des positifs qui est dans votre dos, en est une illustration, on voit que dans les écorchés, crac, apparaît hein, quelques traces qui portent témoignage. Ces traces-là, effectivement, quelles en sont les répercussions, finalement, et quelles sont les résistances aujourd'hui, et quelles sont les dynamiques urbaines aujourd'hui, et est-ce qu'on observe toujours une répartition des populations et une histoire sociale qui serait connectée à ces usages du pisé. Et donc, est-ce que le pisé, d'après vous, a toujours une place dans la construction de la ville contemporaine? Et sur ce questionnement-là, en fait, en vous écoutant à l'instant, une autre question apparaissait quand vous avez dit, effectivement, en réponse aux observations qui vous ont été faites, sur le corpus, vous arrêtez en 1900. Et je me dis, mais c'est bien curieux de s'arrêter comme ça en 1900. Alors, je comprends qu'il faudrait s'arrêter. Mais effectivement, puis c'est une limite. Mais pourquoi à la charnière des 19e et 20e siècles? Alors, évidemment, moi, j'ai eu une réaction assez basique de juriste en me disant, mais 1900, ça ne correspond à rien.
Il dit, alors, enfin, je ne prétends pas avoir une connaissance forte hein, du droit à l'urbanisme depuis le début du 19e jusqu'à aujourd'hui, encore que, mais pour moi, le point d'inflexion, ce n'est pas 1900, c'est 1919. C'est la loi Cornudet. Et donc, est-ce que finalement, il n'aurait pas été toujours pareil, hein, je parle depuis ma discipline, est-ce qu'il n'aurait pas été plus adéquat ou plus pertinent de se dire, finalement, le corpus, je le porte jusqu'à la loi Cornudet, ou jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce qu'au début, puisque la loi Cornudet était en chantier dès 1912-1913, donc bien qu'elle n'était adoptée qu'en 1919. Donc voilà, est-ce que le point d'inflexion, ce n'est pas effectivement la loi Cornudet, plutôt que le début du XXe siècle? Et in fine, une question pour moi qui est apparue, elle est dans votre thèse, mais en fait, elle a été rehaussée dans votre propos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la loi Cornudet a produit qui, finalement, opère un reflux du Pizet Alors, je ne sais pas si mon analyse est juste, mais en vous écoutant et en vous lisant, c'est un petit peu ce que je perçois. Effectivement, on a un reflux très fort. Et cette fois-ci, finalement, et ça répond en partie à la question que vous posiez et que j'ai mentionnée, qui apparaît page 203, c'est quels incidences ont eu ces cadres normatifs et quels incidences ont-ils toujours, en quelque sorte hein, puisque la loi Cornudet n'est jamais effectivement les prémices ou le socle hein, de la réglementation d'urbanisme contemporain. Voilà. Donc, voilà, c'est une question que je posais, donc que je vous pose hein, sur ça. Et puis, autre question, finalement, moi, qui est apparue en vous lisant et en vous écoutant, et c'est celle que j'ai mentionnée dans mon rapport, vous avez une connaissance, et finalement, et c'est aussi ce que votre autre rapporteuse a indiqué, vous voyez, je pense que c'est une question qui est un peu prégnante, c'est la question de la patrimonialisation, finalement. Alors, bien évidemment, alors, sur ce terrain-là, on pourrait dire, si j'aurais parle toujours, moi, du point de vue de la discipline, on pourrait dire effectivement que le droit du patrimoine n'est pas très favorable, effectivement, à une reconnaissance de ce type d'architecture, hein, puisque le droit du patrimoine, il est bâti sur, finalement, quand on regarde hein, sur le temps long depuis la monarchie de Juillet jusqu'à aujourd'hui, il est bâti sur un régime d'exceptionnalité. Bon. Or, vous l'expliquez que le Pizet, c'est l'inverse, me semble-t-il. Et donc, à partir de là, effectivement, pour que le Pizet rentre en reconnaissance patrimoniale, on y a effectivement, me semble-t-il, des étapes ou des marches à franchir, ou tout au moins des modes de pensée de patrimoine qui ne sont pas celles qui, jusqu'à peut-être une période récente, ce que je dis est très très schématique, hein, parce qu'on pourrait m'opposer que, à la suite des travaux d'Isaac Chiva, le patrimoine rural a trouvé une place dans le corpus. Et vous voyez bien, voilà, on rentre encore dans une catégorie. C'est-à-dire qu'on rentre par la catégorie et non pas par le mode de construction. Donc c'est pas quoi. Donc c'est effectivement. Or, vous avez démontré finalement que ce mode de construction, ces usages constructifs, sont transverses, c'est-à-dire que ça concerne effectivement différentes formes hein, de bâti. Et donc, c'est pour ça que je pense que le droit de patrimoine n'est pas armé en fait pour appréhender les questions que vous mettez en évidence. Mais justement, puisqu'il n'est pas armé, quels seraient les critères? Alors, effectivement, c'est toujours effectivement le travers des juristes, hein, c'est de mettre dans des cases, des catégories, de se dire pour ranger dans la catégorie, quels sont les critères? Donc, on raisonne toujours. Hein, c'est le droit comme une commode avec des tiroirs, et finalement, dans mon tiroir, qu'est-ce que je peux mettre ou ne pas mettre. Mais, et finalement, est-ce que là, il n'y aurait pas une matière à poursuivre une réflexion hein, c'est effectivement sur une critériologie, finalement, sur la fabrication d'un patrimoine en devenir. Et finalement, ce que j'ai aussi apprécié, alors ça m'a surpris aussi, je dois vous le dire, parce que, les thèses en droit n'ont jamais de conclusion qui fasse 38 pages. On est plutôt habitué, vous voyez, à des conclusions à
quand on a 15 pages de conclusion, alors c'est le sommet, vous voyez, c'est plutôt la conclusion. Voyez, je pense que le doctorant est épuisé chez Jean. Hein, et donc, finalement, on a parfois des conclusions qui font 3, 4 pages. Quand on a 10 pages, là, on est sur une bonne jauge, mais alors 38 pages, voyez, moi, j'ai abordé votre conclusion en la lisant, et je me suis dit, mais ça s'arrête quand? Parce que je me suis dit, mais c'est une nouvelle partie, en fait. C'est pas une conclusion, c'est une nouvelle partie. Et de fait, c'est une nouvelle partie parce que vous développez des thématiques nouvelles. Et je trouve, effectivement, des thématiques, moi, que je trouve intéressantes parce qu'on est cette fois-ci dans une prospective plus contemporaine, et c'est aussi ce que vous avez mentionné, sur, finalement, est-ce que repenser les usages du PISE aujourd'hui, ce n'est pas un moyen aussi de penser, alors, un terme hein, qui, enfin, moi j'ai toujours du mal à l'employer, mais bon, on va y aller franco, mais la question de la résilience des sociétés face aux défis qui nous sont annoncés, notamment le changement climatique. Et donc, voilà, est-ce que finalement, là aussi, il n'y a pas des au-delà de la perception des acteurs locaux aujourd'hui de votre travail, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans votre travail, un levier pour penser ces politiques publiques, finalement, qui, de toute évidence, peinent à être mises en œuvre et pourtant l'urgence est là. Et donc, ce sera sur ces mots, finalement, que... Non, alors, il y a une dernière point, excusez-moi. La question du contrôle, justement. Vous avez dit, effectivement, dans votre propos en disant, mais peut-être effectivement qu'au 19e, on ne se souciait pas trop du contrôle ou du respect des réglementations d'urbanisme. Ouais, je serais plus mesuré que ça dans cette perception, parce que c'est le préfet de police à l'époque qui est chargé du respect de ces réglementations. Et moi, je me dis effectivement, c'est plutôt effectivement que il faut laisser la ville se développer. C'est-à-dire que, vous voyez, dans la réglementation, on associe souvent le droit à la contrainte. Mais il y a aussi, effectivement, l'idée, sans doute, de poser un corpus et de que ce corpus-là, moi, quand je vous lis, je comprends bien, effectivement, qu'il est quand même dans une logique de prévention des risques, hein, de prévention des risques naturels et de gestion de ces risques-là. Et donc, le contrôle aussi, c'est un contrôle social, à mon avis, qui se met en place. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours chercher le képi derrière le contrôle, il y a aussi des formes de contrôle social qui ont dû hein, se mettre en place. Et là, bien évidemment, on est bien en peine hein, d'apporter des réponses à cette question. Donc voilà, c'était peut-être effectivement, là, moi j'aurais peut-être effectivement été peut-être plus nuancé que ce que vous avez dit sur cette question-là. Parce que vous avez mentionné des règles autoritaires et des règles pragmatiques. Et finalement, chez les juristes, on ne parlerait pas de règles pragmatiques, on dirait des règles libérales. Libérales au sens où elle laisse la liberté à celui qui... Alors effectivement, il y a une espèce de contradiction entre utiliser le qualificatif libéral avec le mot règle. Et pour autant, n'ayons pas peur de cette contradiction-là. Mais en tout cas, ce sera mes derniers mots. Là, ce seront vraiment, mesdames, vous remercier de ce travail-là, finalement, à l'étour duquel j'ai pris beaucoup de plaisir et d'intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup également pour toutes les pistes de réflexion et de débat que vous proposez. Alors, j'aimerais revenir sur le pourquoi 1900, parce que c'est la deuxième fois que ce sujet est posé, et je pense qu'il nécessite quelques éclaircissements. Pourquoi 1900 ? Parce que les derniers bâtiments de mon corpus sont datés de 1900. Si j'avais retrouvé des bâtiments plus tardifs, ça aurait été 1910, 1915, 1920, peu importe. Donc c'est vraiment... ça a été, et pourquoi aussi le 15e siècle ? C'est exactement la même question, c'est parce que c'est les bâtiments les plus anciens que j'ai pu identifier dans le corpus. Donc, le corpus et la question initiale, c'est, je reprends la question, c'est en quoi la mise en évidence de la présence du pied de terre dans le bâti ancien en Lyon est porteuse d'un nouveau regard sur l'histoire urbaine ?
Et donc, s'il n'y a pas de piézé, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, c'est vraiment lié à ce que j'ai pu observer à partir du terrain. Je regarde mes notes et je réfléchis, je prends juste quelques secondes pour voir dans quel sens répondre aux différents sujets que vous avez soulevés. Pourquoi aussi une si grande conclusion? En fait, c'est pour amorcer la suite. Et je pense que vous avez un petit peu soulevé, c'est toute la dimension prospective. Il est évident que les collectivités, les agents à la DRAC, les agents de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon, ne vont pas lire l'ensemble de la thèse. Et je les comprends, parce qu'ils ont aussi des choses à faire sur le terrain. Mais l'idée, c'était d'apporter quelques clés de synthèse sur la connaissance de ce bâti et d'amorcer un petit peu la suite. En sachant que, en fait, initialement, ma problématique n'était pas tout à fait celle-ci, et elle entendait aussi aborder les problématiques actuelles de gestion de ce bâti ancien, et du coup, des freins à sa patrimonialisation. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était déjà beaucoup de traiter de la connaissance et de l'identification de ce bâti, qui est, dans les études patrimoniales, le socle, la base. Et en me disant que ce deuxième volet pourra être traité dans un deuxième temps par d'autres personnes possiblement, et ou en tout cas, mais en tout cas c'est vrai que il n'empêche, puisque j'avais commencé, j'avais en tête de traiter des questions de gestion et de patrimonialisation, j'ai fait une vingtaine d'entretiens avec des acteurs locaux, et il n'a pas été possible de traiter de tout ce matériau qui a été recueilli de manière approfondie, mais il n'empêche que cela a quand même mis en évidence un certain nombre de choses sur les valeurs ou des valeurs associées à ce matériau que j'ai beaucoup entendu sur le terrain auprès d'habitants, auprès d'agents des collectivités, auprès d'élus, auprès d'entreprises aussi ou de spécialistes. Donc j'espère que cette conclusion nourrie justement permettra de se saisir de ce travail et dans la suite des échanges qu'on avait avec Mme Marion tout à l'heure, au-delà juste de la liste de bâtiments, et donne aussi quelques premières clés. Effectivement, la question du droit, je ne suis pas spécialiste du droit comme vous, mais on voit bien qu'elle vient questionner justement ces autres formes de bâti aussi ordinaires, parce que non seulement il y a du pisé, mais il y a aussi beaucoup de bâti qu'on pourrait qualifier d'ordinaires dans ces faubourgs du 19e siècle, et pour lesquels il commence à y avoir des polémiques assez fortes à Lyon. Si bien que dans la dernière version du PLU, il y a une augmentation très forte des périmètres d'intérêts patrimoniaux qui couvrent des secteurs qui ne sont pas protégés, mais qui, justement, questionnent pas trop la matière, parce que ce n'est pas dans le droit d'urbanisme, c'est vraiment ce qui est visible et ce n'est pas ce qui est derrière les ennuis. Mais il n'empêche qu'on commence à avoir des ensembles de réflexions sur la morphologie, le fait que il y a eu pas mal de protestations d'habitants, d'élus sur des uniformisations de secteurs complets avec des immeubles de 6, 7, 8 étages, là où avant on était plutôt sur du R+2, R+3 dans ces quartiers du 19e. Donc je pense que des choses bougent et elles bougent certainement plus vite qu'on ne peut le croire. Je me souviens avoir interrogé une personne de la ville de Lyon qui s'occupe des questions patrimoniales il y a plusieurs années et qui me disait, je parlais de la valeur écologique de l'existant et est-ce que c'est un critère qui pourrait aussi amener une forme de patrimonialisation, ce qui paraissait
pas très très éloignée à cette époque-là, c'était il y a 5 ans je pense, et alors que finalement ces sujets commencent à sortir lors des dernières campagnes des municipales et ressortent de manière de plus en plus importante aujourd'hui dans des tribunes, dans des articles, dans des publications. Donc on voit que c'est un sujet vraiment d'actualité et j'imagine que peut-être il pourrait conduire à de nouvelles réflexions sur des outils du droit pour prendre en compte ces questions. Alors, je trouve que votre question du contrôle social et de la manière dont la société s'empare ou non du PISE est certainement quelque chose de fondamental. Je pense que je ne l'ai pas assez développé, j'en ai pas parlé ici et sans doute je ne l'ai pas assez développé dans le volume de thèse. Par exemple, pour prendre un exemple, à l'époque moderne, l'historien lyonnais, c'est un historien d'architecture, François-Régis Cotin, a fait état d'une interdiction de l'usage du PISE dans le centre-ville de Lyon. Mais qu'est-ce que c'est que le centre-ville de Lyon? Évidemment, il évolue à l'époque moderne, c'est un moment de forte évolution urbaine avec l'urbanisation du secteur de la Presqu'île. Eh bien, on sait que dans des parties est de la Presqu'île, aujourd'hui vers l'Opéra, etc., eh bien, jusqu'au XVIIe siècle, il y a des bâtiments en pisé. Et que ces bâtiments en pisé vont disparaître au fur et à mesure de l'urbanisation de ces secteurs pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Alors que finalement, on est en secteur inondable. Donc il semblerait que là, l'application de cette règle ne soit pas liée à un périmètre, puisqu'on est à l'intérieur des remparts, ne soit pas liée à un risque, mais soit vraiment lié à ce qu'on considère mentalement dans une représentation, en tout cas au moins des édiles qui mettent en place cette réglementation, de ce qu'est le centre-ville bourgeois et du coup de l'endroit où on refuse d'utiliser la présence, on refuse cette présence du pisé de terre. Et c'est comme ça, je pense aussi, qu'il faut percevoir la réglementation de 1856 à Lyon qui autorise le pisé en dehors des remparts et par contre qui l'interdit à l'intérieur. Et finalement, on voit que, en plus, ces remparts sont détruits juste après, donc il y a un grand flou artistique, ce périmètre évolue, et notamment on voit que ce périmètre il va se mettre à inclure le secteur du plateau de la Croix-Rousse dans les années 1860, alors que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans des secteurs inondables, bien évidemment. Et donc, là, encore une fois, il semble que ce soit vraiment une manière de ce qu'on considère le centre-ville qui est en train de s'embourgeoiser avec un renouvellement urbain. Anne-Sophie Clémenceau l'a très bien montré, de la rive gauche du Rhône à cette époque-là, qui étaient d'abord des quartiers populaires et qui vont devenir petit à petit des quartiers bourgeois et qui vont se faire presque sur les ruines des bâtiments en pisé détruits en 1856. Et alors qu'en dehors, eh bien, le pisé normalement est toléré suivant certaines règles, mais on voit dans l'analyse des dossiers d'archives que ces règles ne sont pas du tout respectées. Que c'est le service départemental de voirie qui reçoit les dossiers, et lui, il ne regarde que les alignements sur rue, et le reste, personne ne s'en occupe. Donc, c'est vrai que ce prisme de lecture est aussi à mettre en lien. On fait respecter sans doute ces réglementations d'une manière différente suivant les quartiers où on se trouve. L'interdiction du pisé à Lyon, dans les années 1811, elle est a priori peut-être beaucoup plus respectée sur la Presqu'île et notamment en bas des pentes de la Croix-Rousse, qui sont des quartiers très bourgeois au plan d'urbanisation, alors que quelques dizaines de mètres plus haut, eh bien, dans des quartiers plus populaires, là on se met à construire du pisé. Effectivement, je n'ai pas vu de pisé dans ces immeubles bourgeois. Je n'en ai pas connaissance en tout cas. Et merci. Donc on va maintenant passer la parole à Thibaut Paco. Est-ce que vous nous entendez? Non, on n'entend pas bien. Oui, on n'entend pas. Ça vient d'ici, mais... je pense que c'est chez nous qu'il faut qu'on fasse un... On va même un peu plus parce qu'on s'entend très faiblement. Thank you.
Mais je ne pourrais pas toucher parce que je ne sais pas faire. Bon, bah, c'était tout simple. Merci Yvan. Un intérêt pour le PISE à la suite de la crise du pétrole en 1973, la critique de l'architecture moderne dans les mêmes années et l'émergence des questions écologiques après la publication du rapport du Club de Rome et la tenue à Stockholm en 1972 de la conférence des Nations Unies sur l'environnement. Le lecteur curieux aurait voulu en savoir davantage sur ces trois points, mais la thèse ne concerne pas le XXe siècle, ce qui est un peu dommage. La deuxième partie rappelle le cadre de l'inventaire, selon le Conseil de l'Europe, qui distingue les inventaires sélectifs, exhaustifs, topographiques et thématiques. Il examine les sources, repère les premières collections d'architecture en pisé, étudie les pathologies propres à ce matériau. Datation et cartographie sont les principaux outils de cet inventaire qui permettent de classer le corpus en quatre catégories, bâtiments d'habitation, édifices publics, bâtis utilitaires et murs de clôture. L'analyse des textes réglementaires, page 160 et suivante, revient sur le constat établi dans la première partie, en particulier sur le rôle des inondations pour la reformulation des règlements. La troisième partie propose une chronologie du Moyen-Âge au tournant des 19e et 20e siècles en donnant des exemples qui correspondent aux périodes examinées, avec photographie à l'appui. Cet historique explique pourquoi le pisé est préféré à la pierre, page 202, plus coûteuse et en quoi les modifications réglementaires encouragent tel procédé constructif plutôt que tel autre, selon les moments du XIXe siècle plus spécifiquement. Les inondations de 1840 et 1856 vont impacter grandement la législation, notamment à Vez, puis à la Croix-Rouge. La classification change et passe de 4 à 6 et non pas 5 comme c'est indiqué par le 163. Maison cossue, maison modeste, maison de gardien, maison de maraîcher, immeuble collectif avec jardin et immeuble bas. La solide conclusion, comme c'était remarqué par mes collègues à l'instant, parce qu'elle est assez longue, rassemble les informations signalées dans la thèse et ouvre des perspectives pour une recherche future. Elle rappelle que 750 constructions ont été recensées, dont 365 pour la seule ville de Lyon. Elle récapitule les étapes de cette géohistoire et la bibliographie mentionne 229 références. J'en arrive maintenant à mes remarques, qui sont les suivantes. La première concerne le rapport à l'histoire. Je trouve que cette frise historique est très scolaire
est elle-même contestée par les historiens eux-mêmes aujourd'hui. Plus personne, à ma connaissance, ne découpe l'histoire en antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, puis le long XIXe siècle, qu'Emmanuel découpe en trois tiers. Alors, je pense qu'il aurait fallu inventer, et ça a été un peu dit par Vincent Négré tout à l'heure, quand il parlait de 1900, je crois qu'il fallait inventer une nouvelle chronologie, une nouvelle histoire qui rende compte de la manière dont la thèse essaye d'écologiser notre rapport aux matériaux. Nous savons tous que l'Antiquité est une invention, que la Renaissance est une invention, que l'Ancien Régime est une invention. C'est toujours un historien ou des historiens qui inventent une certaine délimitation temporelle. Fustel de Coulanges va inventer la cité antique, faisant croire que les Grecs et les Romains pensaient la même chose, ce qui est entièrement faux, évidemment, ce qu'on sait maintenant par les travaux de Vinal-Naquet, de Vernon et de plein d'autres. Jacques Le Goff, que j'ai eu la chance de bien connaître, expliquait que le Moyen-Âge courait du 3e siècle au début du 20e, parce qu'il prenait le servage comme le rapport social principal du Moyen-Âge. Donc c'était un Moyen-Âge, vous voyez, qui durait quand même pratiquement 16 siècles, c'est considérable. Pour lui, le Moyen-Âge s'arrête avec la révolution bolchevique. Bon, alors, ce rapport à l'histoire est très important, me semble-t-il, et je trouve que là, ça ne va pas, parce que les rares propos sur l'Antiquité, avec quelques archéologues, les propos sur le Moyen-Âge, ça, c'est quelque chose qui demeure, à mon sens, totalement abstrait. Et je crois que ça aurait été très utile, justement, précisément, d'inventer un nouveau découpage à partir de la réflexion écologique, c'est-à-dire peut-être en prenant compte de ce qu'on appelle l'anthropocène. Mais c'est une suggestion, hein, je ne me tranche pas définitivement là-dessus. Comme Béatrice, je crois que François Cointreau aurait mérité. Alors certes, Emmanuel a dit « Ah, mais si j'en ai parlé de telle page à telle page ». Oui, mais je crois que ça aurait mérité un peu plus d'ampleur, parce que c'est un personnage très important. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il invente l'agriculture et qu'il l'invente au même moment où François Quesnay et d'autres inventent la physiocratie. Donc ça m'aurait intéressé de savoir ce que l'encyclopédie aurait dit de la terre, du sol, des matériaux, quelle place dans la culture savante de l'époque on attribuait à cet élément qu'on appelle la terre. Et ça, c'est un peu dommage parce que, à vouloir trop se spécialiser sur quelque chose, on oublie peut-être d'avoir cette ampleur plus transdisciplinaire qui eût été utile pour nous faire comprendre ce que les contemporains de ce fameux François pensaient de la terre. Et là, il y avait peut-être une approche un peu plus sensible à mettre en avant, comme celle que nous suggère Lucien Febvre, excusez-moi, en 1941, dans un article de la revue Les Annales qu'il avait cofondé avec Marc Bloch en 1929, il explique qu'est-ce qu'on sait des sentiments de nos ancêtres. Et ça, ça m'aurait intéressé de savoir ce que un propriétaire d'une maison en pisé, un ouvrier qui la construisait, pensait de ce matériau, sensiblement, charnellement. Est-ce qu'il caressait ce mur de puisée? Est-ce qu'il était fier de l'avoir construit? Est-ce qu'il le montrait à ses enfants, etc. Et ce rapport, vraiment cette histoire des sensibilités que Alain Corbin a contribué à développer en France, elle nous manque pour tous les matériaux de construction, pas seulement pour le puisée. Et ça, ça m'aurait plu d'en savoir plus. Ma deuxième remarque, elle est sur la notion de vernaculaire. Je crois que là, il y a un contresens qui me gêne un peu, c'est que ce n'est pas parce que c'est une construction en terre ou en pisé qu'elle est vernaculaire. Si elle passe par le marché, elle n'est pas vernaculaire. C'est-à-dire que si c'est un maçon qui réalise, une entreprise privée qui réalise la maison en pisé, ce n'est pas du vernaculaire. Par contre, c'est du vernaculaire si c'est autoconstruit ou si c'est construit avec des voisins, avec des membres de la famille, hors marché. Donc là, il y a une réflexion de fond à voir sur cette notion qui est passionnante
sur laquelle je travaille depuis longtemps, avec, en essayant d'étudier ce que Ivan Illich en disait, le mot vernaculaire, en latin, vernaculus, c'est l'esclave qui est né dans la maison du maître. Donc c'est un sens très particulier, et ça renvoie plus généralement à ce qu'on appelait par la suite une économie domestique, c'est-à-dire quelque chose qui est hors marché. La confiture qu'on fabrique soi-même, un pull qu'on tricote, bon, ça c'est du vernaculaire. Mais ce n'est pas parce que c'est du pisé que c'est vernaculaire. Donc là, il y a une réflexion, à mon avis, très intéressante à mener, parce que chez Illich, l'analyse du vernaculaire est liée à la perte des communaux. Et donc, là, c'est un point qui colle avec, en plus, cette période de pré-révolutionnaire de François Pointeau. Bon, donc, cette réflexion sur l'économie domestique me paraît essentielle. Le troisième point qui me semble intéressant, c'est celui sur la notion de patrimoine. Je trouve que là, la thèse aurait pu, ça arrive à la fin de la thèse, mais je pense que là, la thèse aurait pu développer cette réflexion sur en quoi cette architecture ou cette construction en pisé pouvait être patrimonialisée, puisque pour la candidature de Lyon, ça n'avait pas été retenu, donc tout ça, il aurait fallu l'expliciter, ça m'aurait beaucoup plu d'en savoir plus. N'est cité que l'allégorie du patrimoine de François Chouet, mais François Chouet elle-même a écrit beaucoup d'autres textes passionnants sur le patrimoine qu'il aurait peut-être fallu étudier, mentionner, lire, etc., dont la traduction, dont son introduction, la traduction du livre de Gustavo Giovanni. Parce que là, c'est essentiel comme livre, un livre où il démontre que toute construction ancienne peut avoir un usage contemporain. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le réemploi, enfin, il y a plein d'appellations de cet ordre-là. C'est un patrimoine qui est vivant, ce n'est pas quelque chose qu'on a muséographié. Et donc, je crois que le pisé appartient, c'est un matériau moderne, pour le dire d'un mot qui pourrait choquer certaines personnes. Et donc, là, ce matériau n'est pas... Alors, il y a juste une note, page 304, la note 704, qui est consacrée au constructeur. Ça, j'aurais voulu, moi, avoir un chapitre entier sur qui construit en pisé à Lyon, à cette période-là. Avec quel outil, quelle structure d'entreprise, quel modèle économique, voyez, voilà, ça m'aurait intéressé d'en savoir plus. Mais là, on a simplement des bâtiments qui sont photographiés, qui sont cartographiés. C'est déjà très, très utile et précieux, mais je ne vois pas comment l'architecture se met en place. Et c'est le quatrième point, évidemment, qui est le plus important pour moi, peut-être, parce que Emmanuel il a raison, il cite Bachelard, mais là, c'est trop court. Bachelard, comme vous le savez, invente l'imagination matérielle, il consacre 5 ouvrages aux 4 éléments, dont 2 entiers, rien que pour la terre, et donc ces 2 ouvrages sont magnifiques. Et là, ils ne sont pas assez utilisés. C'est un peu dommage. Et donc, du coup, Bachelard nous dit à un moment donné quand même que le principe de l'imagination matérielle, c'est la matière qui commande la forme. Alors ça m'aurait plu d'en savoir plus sur les formes de ces architectures lyonnaises en pisé. J'ai des photos, j'ai éventuellement une localisation sur un plan, mais je n'ai pas de point de vue d'Emmanuel sur cette forme architecturale. Est-ce qu'elle dépend exclusivement de ce matériau? Est-ce qu'elle dépend de tout un savoir-faire qui relève d'un patrimoine immatériel? Bon, voilà, ça, c'est des points qui me semblent essentiels. Et puis, il l'évoque à un moment donné, c'est la main. Qu'est-ce que fait la main? Voilà, ça, c'est ce point essentiel. Et par rapport à notre culture, à nous, aujourd'hui, numérisée, l'intervention de la main, qu'est-ce que ça signifie dans l'architecture actuelle? Bachelard lui-même, dans La Terre et les rêveries du repos, nous dit que l'homme est un drame de symboles. Alors ça, voilà, c'est une phrase majeure. J'aurais voulu en savoir plus sur un Lyonnais qui circule comme ça et qui repérerait les maisons en pisé
comment vivrait-il cette notion de drame de symbole? Qu'est-ce que ça symbolise encore, vous voyez, cette terre? On le sait, nous, bien sûr, quand on critique le béton, ça a été dit tout à l'heure, le béton, une tonne de béton génère généralement une tonne de CO2. Donc c'est un matériau qu'on ne devrait plus utiliser. C'est dorénavant le plus utilisé à l'échelle planétaire, alors que la Terre était le matériau numéro un il y a encore quelques siècles. Et si l'on veut anticiper sur demain, puisque c'est la conclusion d'Emmanuel, qu'est-ce que c'est que ce BTP qui surgit? Bois, terre, paille et pierre. Alors là-dedans, il y a la pisée, bien sûr, mais il y a aussi l'adobe, il y a la bouche, etc. Donc ce serait là une espèce de géohistoire planétaire de ces nouveaux matériaux, qui sont des anciens matériaux, qu'il faudrait peut-être réactiver. Et donc là, ce n'est pas un rapport à demain. Bon, en philosophie, le mot demain ne signifie pas grand-chose. Ce qui est important, c'est l'action d'advenir. Qu'est-ce qui advient dans notre culture? Et là, évidemment, le point central, me semble-t-il, c'est celui du paysage. On ne peut plus imaginer la création d'une ville, la réorganisation d'un quartier, le remodelage d'une maison, sans évoquer son impact paysager. Et ça me semble essentiel. Je crois que la zoonose qu'on a vécue avec la Covid-19 nous a alertés sur le fait que l'habitat des chauves-souris avait été détruit et que nous entrons maintenant dans une période où ce sont tous les habitats qui sont en train d'être changés. Et ça, c'est un point très, très important. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai écrit plusieurs bouquins sur la ville et les journalistes me disaient toujours « Ah, c'est quoi la ville demain ?» Mais la ville demain, c'est plus la ville. Et donc, c'est parce que nous sommes en train de détruire nos différents habitats. Et donc, nous sortons de cette période de l'urbanisation avec des villes pour entrer dans une nouvelle forme d'urbanisation territorialisée, différente, où là, peut-être, ce qu'on appelait les matériaux locaux, qu'on trouve à côté de chez soi, retrouveront une grandeur qu'ils ont perdue. Ce sont juste des questions que je pose. Mais n'oublions pas quand même que les 16 mégalopoles sur les 20 premières mégalopoles au monde sont des ports. Et tous ces ports vont être modifiés par la montée des eaux. Donc on voit bien comment toute notre manière d'organiser le territoire est en train d'être changée par les modifications climatiques. Et donc peut-être qu'on est dans la fin d'un certain type de ville, je ne dis pas de toutes les villes, mais on entre dans une nouvelle manière de concevoir l'urbanisation et par conséquent, le rapport à la terre, la terre comme élément, devient quelque chose de crucial. Voilà, c'était juste quelques remarques par quelqu'un qui est totalement incompétent en architecture et encore plus en architecture de Pisée. Voilà. Merci beaucoup pour ces pistes que vous soulevez. Je ne sais pas si vaut mieux répondre tout de suite ou laisser infuser ces différentes pistes d'approfondissement, finalement. Ah, ça, c'est à Emmanuel de voir. Hein. Oui, c'est moi qui vous parle. Vous ne voyez pas dans le micro, dans la caméra. Non, mais je me remets, mais parce que j'entends, j'ai des coupures. Je suis au fin fond de la Normandie profonde et j'ai des coupures de réseau. C'est pour ça que j'éteins la caméra et le micro. Mais la première question me semble importante et du reste, j'ai constaté que aussi bien Béatrice que Vincent la formulaient autrement que moi, mais peu importe, ça revient à mon avis à la même chose, c'est ce rapport à l'histoire. C'est très fréquent dans les thèses d'architecture, d'avoir une sorte de chronologie un peu type. Et je crois que cette chronologie type, elle est chahutée précisément par tout ce qui est en train de se transformer en ce moment. Et on sait très bien que c'est Michelet, dans un cours du Collège de France, qui invente la notion de Renaissance. Bon, le contemporain de la Renaissance ne savait pas qu'il était dans une société de Renaissance. Bon, aujourd'hui, on sait très bien que l'Antiquité grecque, par exemple,
Certes, les Romains au pouvoir parlaient grec, mais ils étaient beaucoup plus influencés par les Étrusques, par exemple, dans leur conception de la manière de cosmosiser le monde. Bon. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment on doit sortir de cette périodisation-là qui ne signifie plus rien. On connaît l'histoire, hein, Emmanuel, on sait très bien que c'est Bède le Vénérable, le premier qui invente la distinction avant et après Jésus-Christ. On sait que c'est Voltaire, le premier qui va parler du siècle de Louis XIV. On sait que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à découper l'histoire de l'humanité occidentale en siècles. Mais on sait très bien qu'un siècle, ça ne veut strictement rien dire. Prenons un exemple très simple, l'entre-deux-guerres. Pour moi, l'entre-deux-guerres, c'est 1870-1914. C'est le véritable entre-deux-guerres. Et c'est passionnant, parce que c'est là où surgit plein de ismes. L'impressionnisme, le zutisme, c'est extraordinaire. Non, on nous refourgue entre-deux-guerres, entre 14 et 39. Non, ça, c'est le second. Donc, c'est pour vous dire que le rapport à l'histoire ne cesse d'être transformé par notre manière de nous inscrire dans le temps. Et donc, le temps de la construction, à son rythme, il y a un très grand livre dirigé par Chaunu, hein, c'est un des rares livres sur l'histoire de la construction en France. Plus personne ne le lit, bon, c'est dommage, parce qu'il nous montrait précisément que ça peut épouser un temps long. Là, je fais référence évidemment à Fernand Braudel. Il y a un temps long. Il y a les trois temporalités de Braudel. Hein. Il y a le temps, l'écume des jours, hein. le temps du quotidien. Et puis, il y a des rythmiques cycliques. Et puis, il y a un temps très long qui voisine parfois avec l'éternité. C'est pour ça que Baudelaire est si puissant pour nous. C'est parce que c'est lui qui théorise la modernité. Et quand Baudelaire nous dit la modernité, c'est l'éphémère et l'éternité qui s'entremêlent. Là, je comprends mieux ce que ça signifie pour un matériau comme le Pisée. Quel est son aspect factuel et puis son aspect éternel? Et en grec, on a trois mots pour dire le temps. En latin, on en a deux. En français, on en a qu'un. Ça c'est fâcheux. Alors pour répondre à cette question sur le rapport à l'histoire, c'est vrai que je ne me suis pas trop posé de questions, et vous avez compris là-dessus. Je suis parti du terrain, et en datant le bâti, il m'a paru nécessaire d'abord de croiser des choses avec le contexte urbain des différentes séquences d'urbanisation de la ville. Et c'est vrai que ce découpage finalement correspondait assez bien en fait avec différentes séquences que l'on observe à Lyon. On a bien un abandon de la ville à la fin du Moyen-Âge, j'ose dire le mot, je ne sais pas, et une reconstruction à partir de la deuxième moitié du 15e et au début du 16e siècle. Qui conduit à un effacement du bâti médiéval, où aujourd'hui les archéologues nous disent qu'il n'existe plus que dans les structures de sous-sol du bâti construit plus tardivement, qui est venu se remettre par-dessus, parfois en reprenant des structures anciennes, mais lesquelles structures étaient des structures maçonnées et non en pisé, évidemment, puisqu'on est sur des caves, des fondations, etc. Et d'où un effacement de ce bâti médiéval. Donc c'est vrai que de commencer ici au XVe siècle cette étude historique était assez naturelle de par de la datation du corpus et puis également ce moment crucial de transition dans l'histoire urbaine de Lyon. De la même manière, cette séquence, il y a la période révolutionnaire, la révolution de 89, marque aussi une rupture très importante dans l'histoire de la ville, certes déjà amorcée précédemment avec l'urbanisation, le début de l'urbanisation de la rive gauche du Rhône et de la presqu'île de Perrache, avec des travaux de drainage et tout ça dans la deuxième moitié du 18e, mais ça rentre vraiment concrètement. Cette urbanisation commence vraiment concrètement avec les premières années du 19e siècle. Et
Et le 19e, lui-même, a été séquencé par contre en trois parties, en raison de la quantité très importante d'entités que j'avais dans le corpus, et aussi de la nécessité de pouvoir contextualiser ce corpus par rapport à l'évolution urbaine, où justement, le temps ici, on a envie de dire qu'il s'accélère, et il y a un rythme vertigineux avec une modification très forte de la ville qui fait qu'on ne peut pas... il est très difficile de décrire des choses sans prendre le temps de décortiquer un minimum cette histoire urbaine ou cette séquencisation en trois parties sur le 19e. Mais j'entends votre suggestion je vais prendre le temps d'y réfléchir et de voir comment on pourrait aborder les choses sous un autre angle. Merci Emmanuel, merci Thierry. On va un petit peu avancer maintenant en passant à Sophie. On ne fait pas de pause. Je pense que tout le monde est à pied. Non, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite pause? Non. Non, courte. Ouais, non, courte. Ouais. C'est le président qui décide. C'est pour le candidat aussi, c'est peut-être. Pause de 10 minutes. On reçoit à 16h30. Oui, je pense que c'est bien parce qu'on est encore 4 à intervenir. C'est bon. C'est un peu dur. Ah oui, non, mais c'est super dur. Je vais envoyer un texte.
Je vais essayer d'appeler Grand Voyageur, mais je suis même pas sûr. Je trouve que c'est la merde qu'on ne prend pas les coups nous-mêmes. En fait. Allez, on va reprendre. J'ai plein de temps de faire pipi, moi. Je me suis étonné. C'est un peu embêtant. Hein. Je vais essayer de raccourcir. Moi, j'avais fait un truc super long. Et si on passe directement à la question, c'est un peu putain. Ok. Je vais essayer de réduire. Thank you.
Il est parti, Yvan, je crois. Je commence, hein, c'est pas grave. Oui. Ok. Alors, je souhaitais d'abord dire que j'ai eu beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir à lire la thèse de doctorat présentée par Emmanuel Mille. Donc, c'est un travail qui est très bien écrit dans un texte simple et précis et qui est toujours élégamment accompagné par de belles cartes urbaines générées par le candidat. Donc, il y a une petite note, effectivement, comme l'a dit Béatrice Mariol, qui précise qu'Emmanuel a suivi un cursus d'ingénieur architecte à l'INSA et à l'ESA de Lyon, ce qui laisse donc à penser un certain amour pour les matérialités et leurs techniques constructives. Et cette petite note, effectivement, ne dit pas explicitement qu'Emmanuel est aussi architecte du patrimoine, diplômé de l'école de Chaillot. Et on peut dire que cette modestie est présente dans l'ensemble du document et qu'elle contribue à faire aussi la qualité de ce travail. Donc, comme l'ont dit mes collègues, c'est un travail qui est organisé en trois parties, qui sont toutes d'une précision et d'une grande rigueur scientifique. La première partie dépasse largement les attendus d'un simple état de l'art. La seconde partie, qui m'a particulièrement intéressée, vient interroger les méthodes et les instruments des principaux types d'inventaires patrimoniaux, tels qu'énoncés par le Conseil de l'Europe en 1902. Et Emmanuel propose de les renouveler
propose de les renouveler. L'intérêt et les limites d'un inventaire participatif, hein, tel qu'il le propose, sont clairement énoncés. Il s'agit donc d'un inventaire alimenté par les connaissances des habitants et qui, j'essaye de synthétiser hein, pour faire plus court et de dire l'essentiel de ce que j'avais prévu. Donc cet inventaire, à propos de cet inventaire, Emmanuel reconnaît clairement une faible participation des personnes âgées, peu empline aux outils numériques, et à l'opposé, donc l'apport important des spécialistes du PISE, qu'ils soient professionnels ou amateurs éclairés. C'est donc cet inventaire participatif qui a une grande lisibilité de par le fait qu'il ait été hébergé pendant plus de 2 ans par le Musée des Confluences, qui a constitué le corpus de la thèse. Et ce corpus a été augmenté par des inventaires précédents des architectures de Pisé à Lyon. Ces données sont augmentées par les propres observations de terrain du candidat. Je dirais donc que d'une certaine manière, Emmanuel Mille propose de faire du bâti existant le document de sa thèse, au sens où l'entend Michel Foucault dans l'archéologie du savoir. La troisième partie, elle, propose d'analyser précisément les dynamiques chronologiques et spatiales de l'utilisation du pisé de terre à Lyon. Cette partie, comme cela a été dit, est découpée en 5 périodes, et pour chaque période, il y a des sous-chapitres qui présentent la répartition des différentes catégories avec un focus tout particulier sur les habitations mitoyennes, elles-mêmes classées en étroit, large et peu élevé, large et très peu élevé. Ces analyses, donc, comme ça a été également dit, sont mises en vis-à-vis avec l'analyse des réglementations successives qui font notamment suite aux inondations exceptionnelles de 1840 et 1856. Donc j'ai particulièrement apprécié la mise en représentation graphique en volumétrie de ces réglementations successives. Et je trouve que pour les architectes, cela leur donne une explicitation très, très, très juste et très pertinente. Pour finir, et avant de partager quelques questions et remarques avec Emmanuel, je redis effectivement que l'ensemble du document est parfaitement référencé. La bibliographie est conséquente, elle est classée par ordre alphabétique, et je regretterais quand même qu'elle n'ait pas été également classée de manière thématisée. Alors voilà, donc je souhaiterais partager avec toi quelques remarques et questions. Alors certes, effectivement, hein, je rejoins mes collègues peut-être d'une autre manière, mais sur cette question déjà débattue longuement du découpage chronologique qui structure l'ensemble du travail et la récurrence des thématiques. En interrogeant sur la pertinence qu'il y aurait eu à peut-être davantage privilégier une approche typologique qui aurait peut-être permis de renseigner plus précisément les formes architecturales et les mises en œuvre du pisé de terre. N'aurait-il pas été plus explicite au regard de la pensée architecturale des matérialités de structurer le développement de cette importante recherche à partir des typologies des habitations moyennes, de leur évolution et de leur transformation? Plus précisément, ou à titre d'exemple, le fait de croiser des données singulières permis par l'usage des logiciels QGIS et FileMaker Pro n'aurait-il pas pu être d'une grande aide pour privilégier des interrogations et des classements autres que chronologiques? À titre d'exemple, la question de la dissimulation des matérialités et des difficultés d'identification du pisé de terre en milieu urbain, qui est très clairement énoncée dès les premières pages et qui parcourt l'ensemble de la recherche. Peut-être que cette question aurait également pu contribuer à davantage problématiser les contenus de la thèse.
Mais j'ai toute confiance sur le fait que ce ressaisissement pourra être réalisé pour l'écriture ultérieure et la publication d'articles scientifiques. Et à ce propos, j'encourage vivement Emmanuel à présenter certaines des connaissances apportées par sa thèse dans le cadre du colloque international d'histoire de l'art, matière-matérialité, qui est notamment présidé par Valérie Nègre et qui va se dérouler à Lyon au printemps 2024. Donc, on en reparlera après, mais les appels sont à les propositions sont à faire pour le mois de septembre. Donc, l'étude très précise des édifices d'habitation à partir de l'analyse de leur façade sur rue peut également interroger. Pourquoi ne pas avoir réduit le corpus, qui actuellement est, je crois, de 155 édifices au moins. Donc, pourquoi ne pas avoir réduit ce corpus pour proposer une approche plus qualitative que quantitative, notamment en couplant l'analyse de la façade à celle des plans. Je crois que ça a été également suggéré par certains de mes collègues. Le choix d'un nombre plus limité d'édifices aurait peut-être permis de compléter les connaissances de terrain par des relevés, même schématiques, des organisations spatiales des logements et d'envisager leur comparaison avec des immeubles en maçonnerie de pierre pour mieux saisir les singularités, si elles existent, des architectures de pisée de terre à Lyon. Il est proposé, et cela a été présenté également dans les diapositives sélectionnées pour l'oral, des relevés des immeubles de la rue du Maine, les numéros 23, 25, 27, qui identifient les matérialités de pisée de terre, de bois et maçonnerie de pierre. Ces relevés que l'on peut qualifier de relevés anatomiques permettent de mieux comprendre les matérialités et les mises en œuvre du pisé dans des murs composites, positions, quantités et usages. Il aurait été intéressant d'en relever peut-être d'autres, y compris de manière hypothétique, schématique, et d'interroger cette connaissance par le dessin d'architecture au regard des méthodes visuelles préconisées pour les diagnostics des structures des édifices anciens, dont les matérialités sont, pour ces méthodes, autres que celles du pisé. Je pense notamment au diagnostic des structures dans les bâtiments d'habitation anciens proposé par Jacques Frédé et Jean-Christophe Laurent, ou aux enseignements patrimoniaux de l'école de Chaillot. Ces repérages et relevés d'échelle architecturale et structurelle plutôt qu'urbaine auraient peut-être, ou me semble-t-il, permis de poser plus précisément des questions d'usage, comme le confort thermique ou l'entretien, et des questions d'ordre plus projectuel, comme la réhabilitation ou la remise en projet de ces édifices. Ceci dit, je tiens surtout à féliciter Emmanuel Mille pour ce travail conséquent, passionnant, qui attend ses suites. Merci beaucoup, Sophie. Je pense que cette approche typologique est sans doute plus qualitative avec un nombre plus réduit d'entités, je le verrais plutôt comme une suite, en fait, de la recherche. C'est-à-dire que c'est déjà dans cette optique qu'il y a eu un certain nombre d'approfondissements qui ont été faits. On a parlé des maisons pointues, qui ont fait l'objet d'un article assez détaillé avec Magalie Nathalie, qui a été publié l'année dernière. Il y a également un certain nombre d'analyses plus détaillées, mais qui restent, j'en reviens, à l'échelle urbaine, sur l'organisation de certains clos à la Croix-Rousse, avec ces lotissements au début du XIXe siècle, ou à Montchat. C'est vrai que j'ai en tête, et je pense que je l'ai même signalé dans certaines notes, qu'il y aurait certainement beaucoup de choses à observer. Je crois notamment sur des bâtiments construits entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, pour essayer de mieux comprendre comment on a cette structuration, comment ce que disait tout à l'heure, on passe du vernaculaire à une société, à une structuration économique. Et il est certain que cette structuration, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de l'immeuble de Pointreau, elle a existé.
et elle permet de, justement de passer à un moment de petites maisons qui font 6 mètres de large à de très grands édifices comme le bâtiment de Pointreau ou comme ces grands immeubles construits dans lesquels le manœuvre ou le maçon-piseur, il s'inscrit dans toute une organisation de chantier qui est très conséquente. Donc, moi je crois qu'il serait vraiment très intéressant par la suite de faire cette approche plus détaillée et effectivement de mener davantage de recherches sur les usages initiaux avec des recherches en archives et sur leur évolution pour arriver jusqu'à aujourd'hui aux enjeux actuels d'utilisation, de réhabilitation, etc. Il est vrai que ici, j'avais pour ambition initialement d'être d'explorer au sens le plus large possible, et ce dans toutes les dimensions. Dans une dimension géographique, c'est pour ça que le terrain est très large. C'est toute la métropole de Lyon et avec un resserrement sur la ville de Lyon pour l'adaptation du bâti. Et c'est ce qui a amené ensuite à vraiment détailler les choses sur la ville de Lyon. Pour des questions tout simplement de méthode, c'est que l'adaptation s'est faite à partir de la comparaison du bâti sur des plans anciens et que j'avais la possibilité, grâce au service archéologique de la ville de Lyon, qui m'a mis à disposition tout un corpus de plans déjà géoréférencé dans QGIS, ce qui m'a permis cette datation, ce qui n'aurait pas été possible en fait pour les autres communes. D'un point de vue typologique aussi, parce que quand j'ai commencé à explorer ce sujet, je suis parti aussi avec des idées en tête, je pense, comme on peut tous avoir, sur où pouvait se trouver une pisée, quelle forme pouvait avoir ce bâti. À aucun moment, Pointreau n'a montré un immeuble de 5 étages présent en pisé. Lui, il décrit ce sont des descriptions en pied, hein, mais quand on retranscrit, quand on passe du système de mesure en pied au système métrique, on arrive à des élévations maximales d'une douzaine de mètres de haut. Donc, on voit bien que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on observe sur le terrain. Et de la même manière, l'image de Rondelet dans son traité d'art de bâtir qui montre une maison plus large que les maisons de Pointreau, mais qui n'a qu'un étage, avec des petites fenêtres, avec des trumeaux très importants. Si on parle de ces images un peu caricaturales, eh bien finalement, je me suis rendu compte assez vite qu'on passait à côté complètement d'une part entière de ce bâti ancien lyonnais. Et c'est ce qui a amené à multiplier les inventaires, à faire cet inventaire participatif, en se disant qu'il était trop tôt vu l'état des connaissances qu'on avait du terrain, pour tout de suite cibler une période ou un type de construction plus particulier. Et je pense que c'est ce qui serait notamment à faire pour la suite. Est-ce que ça répond à ta question sur cette approche plus chronologique et exploratoire que typologique? Oui, merci. On va maintenant passer à Christophe Saint-Germain. Oui, merci Emmanuel pour m'avoir invité à cette soutenance. Pour la thèse, c'est très très agréable à lire pour quelqu'un qui en dit peu. Le sujet en plus est passionnant comme acteur local, entre guillemets, parce que on se rend compte qu'il y en a partout, depuis dans toutes nos interventions, nos tournées, maintenant on voit, mais quelle que soit la typologie de bâti. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vraiment un matériau mal aimé. C'est un peu honteux, ce matériau honteux. Et quand on le voit, c'est presque un certificat de décès pour lui. Quoi. C'est-à-dire que si c'est du pisé, on peut le démolir. C'est même pire que le machère, parce que le machère, il y a des frais d'évacuation
Il y a des métaux lourds que n'a pas le pisé, donc c'est une condamnation. Et donc c'est assez dur de lutter contre ça dans le travail d'atelier. Et ce qui est très intéressant dans la thèse, c'est que ça va à l'inverse de toutes les idées reçues qu'on colporte aussi dans notre travail d'ABF. C'est-à-dire que on a l'idée du pisé comme un matériau populaire pour les faubourgs qui a existé aussi comme construction pionnière, mais on oublie vraiment la question des maisons des champs qui étaient et des maisons nobles qui étaient en pisé jusqu'à la fin du XVIIIe. La question des constructions en hauteur et des constructions basses. On a toujours l'idée que le pisé fonctionne bien pour des constructions basses, mais qui ne peut pas supporter la verticalisation des villes. Il y a la question rurale et urbaine, c'est-à-dire qu'on l'imagine comme un vestige rural resté dans le tissu urbain, et on n'imagine pas que ça puisse être aussi une typologie urbaine. Voilà, toutes ces... Et la question aussi du local et d'un matériau déplacé, qui revient, c'est-à-dire qu'on défend le pisé, actuellement où la transition énergétique est un mot important, à travers le fait que c'est pris sur place et qu'on est dans une économie circulaire extrêmement vertueuse, alors qu'en fait, en lisant ta thèse, on se rend compte que ce n'est pas une évidence, ou au moins ce n'est pas prouvé dans tous les cas, et que toute cette analyse qui a été un peu soulevée sur les différentes géologies du bassin lyonnais montre que on peut trouver des constructions en pisé à des endroits où le sol, c'est un gravier géomorphique qui n'est pas spécialement adapté ou qui aura besoin d'être mélangé. On peut le trouver à d'autres endroits où on a de la roche qui pourrait être de la construction. Donc, je pense que ça favorise. Hein. Mais c'est pas aussi simple que le discours qu'on peut porter sur la proximité immédiate. Je vais faire court. Moi, j'avais quelques questions. J'avais une question par rapport à ça, parce que là-dessus, je suis un peu resté sur ma fin, sur la question de la provenance par rapport au sol et par rapport à la question du transport du matériau. Parce qu'il y a des moments où le facteur géologique est décrit comme n'étant pas déterminant, et d'autres fois, même dans la présentation tout à l'heure, dans l'image, c'est une évidence. Et dans le discours, c'est très important de pouvoir, mettre en avant cette filière. Je laisse ça comme question. J'avais la question, la thèse, elle part du principe qu'en fait, l'extension urbaine a été permise aussi par ce matériau. Et en fait, il y a quand même les typologies urbaines ont des spécificités sur lesquelles je m'interroge par rapport au pisé qui a besoin qui fonctionne avec la masse, qui fonctionne avec le monolithisme et dans lequel il y a souvent des rez-de-chaussée commerçants, il y a souvent besoin de pas mal de percements. Il y a la question de la contrainte aussi, dès qu'on verticalise. Et c'est vrai que là-dessus, on a envie d'avoir le tome 2 sur la question des qualités physiques du matériau et aussi de ses limites par rapport à l'urbain, par rapport au périphérique et au rural, on comprend très bien. Sur l'urbain, est-ce qu'il y a quand même un moment où, à mon avis, il rencontre des limites? Et alors, parce que les exemples montrés de bâtiments très hauts sont des bâtiments de grande construction mixte, même celui qui a un pont en pierre. Voilà. Donc ça, c'est, je pense que là-dessus, il y a une petite chose. Il y a un autre point qui a aussi été énoncé, c'est la chute, c'est le 1900. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas si, à partir de 1860, le déclin de la construction en pisé est lié à l'arrivée du mâche-fer, du pisé de mâche-fer et ensuite du béton de gravillon, ou est-ce qu'il y a un décalage temporel. Et également, la tradition constructive du bassin lyonnais, et peut-être aussi la tradition constructive du Dauphinois, mais moi qui n'ai pas toujours vécu à Lyon, ce qui est quand même extrêmement important, c'est la question du mur à Lyon, dans la tradition constructive.
la muralité. Si on a plus au nord, c'est la charpente, tout ça, mais il n'y a pas de culture de la charpente. Mais le mur massif est très important, et même dans la construction moderne, je veux dire, Denis Garnier, Rouchmitz, même les constructeurs contemporains, travaillent le mur, et sont, à mon avis, dans cette tradition du pisé qui est passé au mâchefer, qui est passé au béton, et ils ne travaillent pas du tout le béton comme pour le faire Perret. Donc on attend un peu la chute, on attend une ouverture à ce niveau-là. Et l'autre point, bah, c'est la patrimonialisation. Là-dessus, on reste un peu sur notre fin. je pense qu'effectivement, c'est une période où la question du matériau, elle est extrêmement importante sur Lyon. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une révision de l'UNESCO. Il y a le PSM, il y a le secteur sauvegardé aussi qui est en discussion. Et avec une municipalité écologiste, il se pose la question de la décarbonation, de la beaucoup plus que la question patrimoniale pour sa forme. Et je pense que c'est une porte d'entrée, la question de l'histoire des matériaux et de ces matériaux de filière courte. Donc ça, là, bon, et après, pour être plus terre à terre, la patrimonialisation du matériau comme ABF, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à défendre. C'est un peu comme les vestiges archéologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une appropriation par le public de cet intérêt général qui permet de justifier une conservation d'un bâtiment que parce qu'il a du mâchefer ou que parce qu'il a de la terre. Et puis le droit ne favorise pas ça parce que c'est un droit qui fonctionne sur la visibilité, et sur la forme. Donc je pense que c'est. Et le pisé n'a pas de. Quand il est visible, c'est qu'il est mort, en fait. Hein. Donc, ça me paraît très compliqué, et ça, c'est vrai que là aussi, on attend un développement. Voilà, et puis je pense que c'est tout. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces remarques et ces questions. Je trouve que c'est très intéressant de remettre en contexte. Moi, je les ai un petit peu oubliées avec les années, ces idées reçues que j'entendais et que j'avais moi-même en amont de la recherche sur le matériau du pauvre, la construction basse, le matériau du rural, etc. Et qui sont en effet encore, je crois, assez importantes auprès de certains acteurs lyonnais qui sont parfois très ancrés donc moi j'ai vu des modifications assez importantes, notamment avec l'inventaire participatif, parce que cet inventaire, comme il a été mis en place avec le musée Confluence à un moment d'une conférence internationale, il y a eu tout d'un coup une visibilité. Et c'est venu un petit peu bousculer tout ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à cet inventaire, à faire des conférences. Et j'ai bien vu qu'il y avait vraiment une inflexion dans le langage auprès de certaines personnes, de certains élus, de certains agents en charge de services dans les collectivités lyonnaises qui ont tout d'un coup pris un contre-pied et ont eu une lecture très très différente de cette présence du pisé, de son intérêt, où on passe tout d'un coup de non, c'est un matériau, de toute façon c'est pour des petites constructions minable, presque, ça ne tient pas, etc., etc. Ah, finalement, il y a des grands bâtiments, ah, finalement, il y a une histoire derrière. Et je pense qu'il y a un vrai changement, une prise de conscience chez certains acteurs. Il est vrai que par rapport à la nouvelle municipalité, je ne peux pas trop en parler parce que j'ai eu plus de contact avec l'ancienne municipalité et puis après le temps de rédaction a fait que les contacts n'ont pas été remis en place, mais ça serait intéressant de voir comment ils se situent par rapport à ces questions. Je dirais que l'ancienne municipalité avait beaucoup de tendance à placer, à dire ben, y a le secteur UNESCO pour le patrimoine et puis le reste, on est libéral. Donc, on va reprendre le terme un peu tout à l'heure. Donc, qu'en est-il aujourd'hui dans une
dans une ville avec aussi des enjeux économiques extrêmement forts, ça pousse. Hein. Et donc c'est un sujet qui est complexe. Alors, la question de la provenance et du transport des matériaux, c'est vrai que j'ai essayé de l'aborder en croisant visuellement ce qu'on pouvait comprendre de la terre visible sur les bâtiments, qui souvent, parfois, peut se résumer à une petite fenêtre, avec un sol qui lui-même est mal documenté. C'est-à-dire que la pédologie lyonnaise, finalement, on ne la connaît pas très bien. C'est extrêmement complexe, cette composition du sol. Une cité, il y a des endroits où on a des lentilles alluvionnaires qui sont finalement que des graviers et des cailloux et pas du tout d'argile. Donc c'est impossible de construire en pisé avec ça. Mais peut-être que 100 mètres plus loin, on va trouver aussi des lentilles argileuses. Et je pense que cette connaissance très fine, elle était empirique au moment où on construisait. On faisait un trou, on avait du matériau et ensuite on en faisait ce qui paraissait évident, si on va plutôt mettre sous des zones de voirie pour améliorer le drainage de l'eau ou si au contraire ça va plutôt être un matériau utile pour construire. Je pense que cette question, elle est complexe et elle demanderait vraiment à des analyses fines, mais qui sont très lourdes à mettre en œuvre, qui serait une analyse croisée d'échantillons prélevés sur des bâtiments. Encore faut-il avoir la permission ou suivre des chantiers de démolition. Donc c'est quand même assez... ça demande, c'est un vrai sujet en soi, je pense, en termes méthodologiques, parce que c'est pas très simple à mettre en place, et de croiser aussi avec des analyses de sol, ou de recueillir des analyses de sol et de faire des analyses en laboratoire. Donc ça, c'est une méthode qui a déjà été utilisée. Il y a un article de Erwan Lamar et autres qui de 4-5 ans qui fait comparaison justement d'une ferme dans la Bresse et qui compare le matériau avec le sous-sol. Mais je pense que c'est une thèse en soi que d'appliquer ces questions ici en milieu urbain, sachant que les problématiques ne sont pas les mêmes en milieu rural, tel qu'étudié par exemple par cet article, où on a un foncier disponible autour et où du coup on peut très bien avoir une prise du matériau sur des zones très larges en surface, alors que là, en milieu urbain, eh bien, on va construire, on va excaver pour faire une cave, et du coup on va se retrouver avec un volume très important de matériaux, et sans doute que cette matière est en plus hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des lentilles successives qui vont être plus ou moins argileuses, et donc ce traitement est assez complexe. Peut-être que les analyses en archives permettraient d'en savoir un peu plus, mais comme je disais tout à l'heure, comme on a essentiellement du bâti privé, c'est très aléatoire quand même de réussir à trouver des prix faits par des entreprises qui mentionnent la provenance de la terre. Cette question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1900, je pense qu'elle est, elle est très intéressante et elle implique de mieux comprendre, en fait, c'était la diapo que je montrais tout à l'heure, d'élargir le point de vue sur l'ensemble de la compréhension de l'économie des matériaux de la construction. C'est-à-dire que c'est parce que, sans doute, il y a des modifications et des offres d'autres matériaux que tout d'un coup le pisé cesse d'être utilisé. En tout cas, ce n'est pas une question réglementaire, puisque la réglementation, elle continue de s'appliquer jusqu'en 1909, mais moi, en 1909, je ne vois plus de bâtiment. Donc le frein n'est pas réglementaire, il est sans doute lié plutôt à l'économie. Il faut savoir que le pisé de Machefer est inventé à Lyon par Coignet dans les années 1840, qui se développe petit à petit et que pendant très longtemps au XIXe siècle, en fait, on va faire en fonction sans doute de ce qui est disponible. Donc, le Machefer étant un résidu de combustion de la houille, essentiellement de stéphanoise, après sa combustion, on se retrouve avec des monceaux de Machefer. Et à ce moment-là, on voit qu'on veut valoriser ce matériau. Effectivement, il y a une culture du mur massif, ça Gilbert Richaud a très bien dans ses écrits sur
comment cette peinture a influencé ensuite les productions de Tony Garnier ou de Auschwitz. Voilà, je pense avoir répondu à peu près à tous les différents points à soulever. Merci. Merci Emmanuel pour ce travail très conséquent, rigoureux et méthodique. Merci Emmanuel pour ce travail très conséquent, rigoureux et méthodique. Alors, j'avais quelques questions. Donc, la première, en fait, concerne une référence bibliographique, en fait, qui est évoquée comme étant non consultable. C'est sur François-Régis Cotin, c'est un fonds privé, a priori, et qui intervient un certain nombre, on le voit plusieurs fois, en fait. Alors, je viens de savoir un peu plus, parce que ça me paraît connaître le fin mot, en fait, de l'histoire. Donc, ce que montre bien, en fait, ton étude, c'est que la majorité, en fait, des édifices ont été réalisés donc, au cours du 19e siècle. Tu distingues les trois périodes. Donc, on voit bien que ça correspond au grand moment de l'expansion urbaine de Lyon en termes de population. Et je voulais savoir, en fait, si on avait une idée, en fait, du nombre de bâtiments construits à cette époque par rapport à ceux que tu as répertoriés en Pisé, pour voir vraiment ce que ça représentait. Après, j'avais une question, mais qui a été en partie posée par Sophie. C'est-à-dire, dans une thèse de doctorat en architecture, on s'attend beaucoup plus, par exemple, à une analyse de la qualité des logements, de la typologie, est-ce que c'est des logements traversants, en fait. Comme le logement, en fait, représente une grosse partie, en fait, du corpus étudié. Donc, c'est vrai que j'aurais apprécié un peu, notamment avec ces grandes hauteurs sous plafond, qu'est-ce que ça apporte en tant qu'éclairage. Également, donc, avoir peut-être plus de données sur les dimensions constructives. Est-ce que c'est des logements en façade porteuse, en profond porteur? Quelles sont les spécificités, en fait, dans cette typologie de bâtiment due au Pisé? Est-ce que, voilà, il y a des portées de plancher qui sont limitées? Du coup, est-ce que par rapport à d'autres matériaux, ça entraîne, en fait, des logements qui seraient différents? Alors, je me suis interrogé aussi, puisque c'est la difficulté de ton travail, tu le dis d'ailleurs dès le début, c'est que c'est un matériau qui est caché, à la fois par des enduits extérieurs et intérieurs. Et je me suis demandé, en fait, s'il était toujours resté caché, ou s'il y a eu des moments où, par exemple, en intérieur, on ne va pas avoir ces problèmes d'érosion liés à l'eau. Il avait été justement mis au jour pour profiter des qualités de régulation hydrothermique qui sont essentielles pour ce matériau. Et si on met un enduit, même avec de la chaux, on perd beaucoup justement. Ou s'il était resté tout le temps caché, puisqu'en fait, l'histoire du béton nous montre qu'au début du XXe siècle, c'est un matériau utile pour des fondations, pour des ouvrages industriels. Et même les premiers immeubles construits par Perret, le béton est partout, mais il est caché justement par des céramiques, des faïences. Et donc savoir en fait si aujourd'hui, oui, il est caché, mais est-ce qu'il y a eu en fait une époque, peut-être au début, je ne sais pas, où notamment en intérieur, parce que c'est là où ça semble le plus simple, en fait, il est resté apparent. Et enfin, ce que tu montres, en fait, c'est que le Pisé, donc notamment au cours du 19e siècle, il a essentiellement été utilisé dans ses opérations immobilières parce que c'était un matériau économique. Et du coup, c'est la rentabilité de ces opérations où après on devait louer ses appartements à des gens avec des revenus modestes, elle était liée justement à l'emploi d'un matériau à bas coût. Et aujourd'hui, justement, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que le Pisé est beaucoup plus cher que les matériaux qu'on va utiliser couramment.
Donc, comment tu vois ça, justement, dans l'optique d'un développement futur de son utilisation? Merci Philippe, pour ces différentes remarques et questions. Je vais répondre tout simplement dans l'ordre. François Régis Cotin, c'est... peut-être je suis tombé dessus il y a un an, quand j'étais déjà très très avancé dans la rédaction. Et il n'était pas possible, en termes de temps, d'aller explorer plus loin. Et étant donné que je n'habite pas à Lyon, il aurait fallu que je retourne sur le terrain pour pouvoir essayer de consulter cette source, effectivement, qui n'a jamais été publiée. Cotin est décédé il y a quelques années. Et donc, je pense qu'il y a comme ça certains ouvrages qui étaient prévus à la publication et qui n'ont pas été. Et donc, c'est un autre historien lyonnais qui a repris une partie de ce travail et qui en a publié une partie dans un ouvrage qui lui rend hommage, en fait. Et c'est vrai qu'il apporte des informations très intéressantes sur l'utilisation du kizé de terre à l'époque moderne. Et je pense que c'est un manque de la thèse, clairement, de ne pas avoir eu l'occasion d'aller creuser un petit peu plus ce sujet, parce que je pense que là, il y a des informations de première main, et savoir comment aller un petit peu plus loin, notamment sur la compréhension de la réglementation à l'époque moderne, et d'aller davantage se confronter avec ce que j'observe sur le terrain. La question sur la proportion du kizé au XIXe siècle, malheureusement, je ne sais pas y répondre. Parce que, et ça, c'est vraiment lié à la difficulté d'identification qui a conduit d'emblée à mettre de côté la possibilité d'un inventaire exhaustif. Parce que, on a bien vu, déjà, c'est très difficile de savoir dans quel bâtiment les pisés. Souvent, je pense qu'on voit vraiment que la face vide de l'iceberg. Mais en plus, parfois, on ne va avoir qu'une toute petite partie en pisé. Donc, il faudrait presque pouvoir déterminer la proportion du pisé bâtiment par bâtiment pour ensuite avoir une vision générale. Donc, peut-être que ça, c'est quelque chose d'envisageable, finalement, sur un secteur très restreint, sur un périmètre très restreint. Ça serait sans doute quelque chose d'intéressant à faire, mais en quoi ce secteur il serait représentatif ou non, enfin, c'est assez complexe. Sur les effectivement, Mme Marion avait cité tout à l'heure, avait déjà posé la question sur la possibilité des portées de plancher, etc. Je pense que c'est vraiment là aussi un sujet qui sera développé sur le futur. Moi, de ce que j'en ai observé, c'est que il y a aussi des trumeaux, parfois très élancés, qui sont en pisé. Et avec donc ça, je le cite à différents endroits dans le manuscrit. Il y a des choses qui sont très surprenantes. Et du coup, certainement, ce serait intéressant de pouvoir voir, bien plus que ces trumeaux reprennent aussi les poutres principales de plancher, est-ce que par derrière, on a fait des planchers qui ont des portées moindres que si on mettait en pierre, etc. Et pouvoir aller croiser ça avec un calcul de descente de charge et voir les niveaux de pression qu'on a dans ces trumeaux et par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui du dimensionnement et de la capacité portante de la Terre. Je pense que là, il y a un vrai sujet de recherche qui serait très porteur aussi pour l'avenir sur comment on peut utiliser ce matériau, y compris à des endroits auxquels on n'avait peut-être pas imaginé le mettre comme ça. Le fait de savoir si le pisé a toujours été caché, alors, c'est une question que je me suis posée et je regrette de ne pas avoir eu, trouvé des informations. Sans doute elles existent. Il y a une documentation très abondante sur l'histoire de Lyon. Il me semble que Lyon et que l'architecture lyonnaise est enduite traditionnellement et avec une obligation d'enduire depuis l'époque moderne, je crois quasiment depuis le XVIe siècle. Et il serait certainement très intéressant de savoir d'où vient cette obligation. J'ai quelques idées en tête, mais je ne m'aventurerai pas ici parce que c'est pas assez. Je pense que c'est pas assez étayé. Enfin, sur la question de l'économie et de la rentabilité, c'est vrai qu'on est sur des prismes économiques aujourd'hui qui n'ont absolument rien à voir.
où à l'époque, on le voit bien hein, dans les devis, c'est le fait de faire venir un matériau de loin va avoir une incidence considérable sur le prix, ce qui va complètement être perturbé, et c'est là les grandes modifications aussi avec la révolution industrielle et l'arrivée du train qui tout d'un coup va bouleverser et Lyon va être inondé de pierres du Midi qui restent quand même assez coûteuses mais qui vont être beaucoup moins, ce qui va permettre un usage de la pierre de taille dans des proportions jamais vues jusqu'alors. Parce que c'était tout simplement pas abordable. Donc, cette question de l'évolution de l'économie des matériaux de construction en lien avec leur disponibilité, le coût des transports, le coût de la mise en œuvre est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, évidemment, le matériau béton ne coûte pas grand-chose et la main-d'œuvre coûte cher. Donc, et par contre, le coût sur la société des répercussions de l'utilisation du béton, lui, n'est pas pris en compte. Donc, c'est vraiment quel prisme économique on met les choses. C'est un sujet, après, qui devient très politique, finalement, de savoir où on met la jauge. Il est certain qu'aujourd'hui, le matériau de pisé est devenu un matériau de luxe. C'est plus le matériau du pauvre. Alors, merci monsieur le président. Merci Emmanuel. Ça fait plusieurs années que je suis ton travail, toujours avec beaucoup de plaisir. Toujours aussi très satisfait de la qualité du travail que tu m'as fait, dans l'inventivité que tu as eue sur l'utilisation des diverses compétences acquises précédemment et comment tu as su les combiner pour trouver des méthodes et outils qui étaient adaptés aux questions que tu posais et une qualité aussi de représentation que tu as pu donner pour les avoir, que je pense sont vraiment intéressantes. Je voudrais revenir sur l'idée du suivi, parce que ça fait longtemps que Lyon nous séduit, puisqu'en fait on est implanté ici à Grenoble, mais en jetant toujours un œil sur Lyon, à tel point qu'en 2016, on n'a pas organisé Terra 2016 à Grenoble, on l'a fait à Lyon, qui était l'occasion de lancer ce travail d'ailleurs pour le coup, et on a été très content que Emmanuel s'en empare pour approfondir les connaissances sur cette ville, parce que ça nous intriguait. Comment, en ville, peut-être d'abord quelle dimension ça avait réellement, mais comment, en ville, on avait pu aussi construire des bâtiments aussi grands, faire autant de choses. Donc, on a beaucoup de réponses, on a même bien plus que ce qu'on avait imaginé au départ, à tel point que Emmanuel arrive à dire qu'au XIXe siècle, la terre a été le matériau des pionniers pour construire, pour répondre à une demande extrêmement importante en matière de logement social, et qui a fait l'objet, c'est intéressant d'approfondir comme recherche, qui a fait l'objet aussi de pratiques qui ne sont pas effectivement pas vernaculaires, comme ça a été souligné, qui sont des pratiques commerciales. On fait des investissements, donc c'est des investisseurs qui construisent de façon très pragmatique, en cherchant des solutions simples, des solutions dans lesquelles ils vont rationaliser l'ensemble de la construction. On voit dans certaines des constructions qui sont décrites par Emmanuel des choses extrêmement précises, détaillées, où les matériaux sont mélangés. Mais du coup, on se rend compte qu'il y avait une capacité à l'époque étonnante de rationaliser tout ce qui était à portée de main. Ben voilà, là on a des leçons aussi. Comment on peut réinterpréter ces choses-là? Et ça, c'est pour nous, c'est des nouvelles pistes aussi de recherche, entièrement nouvelles, mais enfin, on a là des éléments sur lesquels s'appuyer. On peut démontrer que ça a été fait, que ça peut marcher, que ça a marché. Comment ça a marché? Ben, c'est encore probablement à approfondir, ça a été demandé, mais enfin, pour nous, on a vraiment là une matière extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, la conclusion est un peu longue, c'est peut-être un peu de ma faute, parce que j'ai aussi suggéré quelles sont les pistes qu'on a à partir de ça. Et en fait, elles sont largement développées dans cette conclusion, et donc je pense que pour nous c'est très intéressant en tant que matière sur laquelle travailler.
peut-être juste faire un petit... c'est dommage, Thierry Paco n'est plus avec nous en ce moment, mais j'ai beaucoup aimé son intervention sur cette idée de changer aussi le regard sur l'histoire. Et en fait, de plus en plus, dans mon travail, en fait, j'ai eu la chance de faire de l'habitat très économique, mais aussi des choses sur des sites patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur certains sites, j'étais impressionné par les connaissances qu'on pouvait en apprendre, des choses qui ont été faites il y a 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, ou plus récentes, mais qui sont des sources d'inspiration considérables pour répondre aux questions que l'on se pose aujourd'hui. Pourquoi ? C'est parce que ces bâtiments, ces ensembles urbains qui ont été construits ont été faits avec des moyens très limités. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Ben, qu'on fasse aussi des choses qui se approchent beaucoup plus frugales, donc on essaie de réfléchir aussi à continuer à édifier ou à conserver, d'ailleurs, parce que ça en fait partie, un patrimoine avec des moyens limités. Donc on est persuadé que en allant puiser avec une approche historique et pas forcément avec des dates, etc., mais d'aller apprendre dans l'histoire comment les choses ont été faites, on peut aussi trouver des sources d'inspiration extrêmement intéressantes qui devraient pouvoir nous permettre de gagner énormément de temps plutôt que de réinventer la roue dans des laboratoires, d'aller observer les patrimoines. Donc on fait partie d'un mouvement qui devient de plus en plus fort au niveau national, mais aussi au niveau international. On travaille beaucoup avec plusieurs organismes qui sont intimement persuadés qu'il faut travailler dans cette direction. Et donc, nous, on fait partie de cela. Donc, merci à nouveau à Emmanuel pour ouvrir énormément de pistes pour continuer ce travail-là. Et c'était un désespoir, c'est qu'Emmanuel puisse rester avec nous. Il va rester avec nous, mais qu'il puisse rester avec nous un peu plus officiellement. Je voudrais remercier le jury pour toutes les questions qui ont été posées, parce que ça enrichit nos réflexions, ça vient enrichir nos questions. Donc, merci à vous tous d'avoir accepté de participer à ce jury et par vos critiques aussi, de nous apporter de la matière sur laquelle on va pouvoir continuer à travailler. Merci au public, si on veut, qui nous encourage, puisque ce n'était pas comme ça il y a quelques années, donc ça nous encourage à travailler, ça montre aussi qu'il y a un intérêt pour les travaux qu'on fait. Donc merci à vous d'être aussi nombreux. Il ne faudrait pas que je les oublie, parce qu'on n'a pas trop parlé, merci à l'ANR, à notre budget LAVEX qui a permis de financer cette thèse. Et puis je voudrais finir avec un grand merci aussi à Hubert Guillaume qui a lancé cette thèse et qui l'a suivi pendant plusieurs mois et que j'essaie de reprendre un peu plus tard. Voilà. Est-ce qu'on est sûr que... Non, mais on ne peut pas rester ici parce qu'en fait... Alors, le jury a maintenant se retiré dans des délais. Et donc, on va présenter le rapport de la délibération. D'ici 15 à 20 minutes, on espère que vous puissiez délibérer ici. Voilà, c'est le public. C'est le public.
Le problème, c'est que les gens qui suivent à distance, ouais, on va arrêter, en fait. Ça y est, il faut arrêter.